Bah ok. Très bien, donc juste, bon déjà, bonjour à toutes et à tous ceux qui ont pu nous rejoindre ce matin. Bienvenue à ce webinaire sur la question de l'eau en lien avec le dérèglement climatique. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Geoffroy Mercier, le directeur général de Renéo, qui va nous faire une petite introduction sur cette thématique et sur ce webinaire. Monsieur Mercier, la parole est à vous. Bah, merci, je vais essayer de vraiment pas être long parce que ce que je vais dire ne sera pas le plus important. Merci déjà à tous d'avoir répondu présent à ce webinaire. Donc, on va être environ 70 ce matin. Merci à Calitropique hein, d'avoir assuré la technique. On aura des gens de la région, du département, des divers EPCI de La Réunion, des entreprises, des bureaux d'études et on a même. Les gens de l'île Maurice, donc ça montre quand même que le sujet est intéressant et plus qu'intéressant, inquiétant aussi. Et je pense que la bonne nouvelle, c'est que les entreprises comme Veolia, les grandes entreprises françaises au sens large, s'intéressent à ce sujet de plus en plus, veulent apporter leur contribution et bien entendu, Renéo répond présent. C'est pas un hasard, mais presque. C'est le 10 décembre aujourd'hui. Le 8 décembre était la journée mondiale du climat. Donc tout ça a du sens. Pourquoi on parle d'eau et de climat? Déjà parce que l'eau est un marqueur, hein, effectivement, du changement climatique. C'est un marqueur fort. Et à La Réunion, cette année, en 2020, ça a pu être vu d'une façon remarquable. Et ce n'est pas le seul territoire où ça a été visible en métropole. Il ne vous a pas échappé que chaque été, maintenant, on a des épisodes de sécheresse de plus en plus durs. Donc Veolia s'inscrit complètement, et c'est la volonté de notre président, de vouloir apporter des solutions, de vouloir informer, de vouloir mettre une prise de conscience, faire une prise de conscience au niveau du grand public, mais surtout apporter des solutions et être dans l'action. Donc ce matin, pendant 1h30, nous allons écouter différents intervenants que je remercie. Et puis, écoutez, on aura certainement l'occasion d'en reparler. C'est notre premier webinaire qu'on fait ensemble. Ce ne sera pas le dernier. Je trouve que ça permet vraiment d'échanger et dans un temps limité de pouvoir vraiment avoir toutes sortes d'échanges très fructueux. Donc merci à tous. Malheureusement, je ne pourrai pas vous suivre toute la matinée parce que j'ai une autre réunion qui va démarrer. Mais en tout cas, je regarderai le replay dès que je pourrai. Voilà, bonne matinée, bonne réunion et à très bientôt. Merci, Monsieur Mercier, pour ces quelques mots introductifs et pour l'organisation de ce webinaire. Première intervenante, conférencière, Madame Marie-Dominique Leroux, qui est responsable adjointe de la division études et climatologie chez Météo France, qui va nous faire un état des lieux de la situation sur le plan climatique à La Réunion. Madame Leroux, je vous laisse partager votre écran et prendre la parole. Merci beaucoup. Alors, normalement, le partage d'écran est en cours. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du changement climatique à La Réunion et dans le sud-ouest de l'océan Indien. C'est un travail que je réalise en collaboration avec Monsieur Bonardo et trois autres collègues des chercheurs toulousains qui nous aident à piloter les modèles de climat. C'est un travail qui est financé. Excusez-moi, le Oui? partage d'écran n'est pas effectif, excusez-moi. D'accord. Alors, on va refaire. Excusez-moi. Ah, c'est bizarre. Je réessaye. Hein? Oui, il n'y a pas de souci, oui. Moi, il me dit que c'est bon, mais voilà, vous me dites, est-ce que vous le voyez? Toujours pas. Ah. Alors, j'ai fait les mêmes manipulations que dans le test de tout à l'heure. Ouais. C'est censé être actif là. Là, je le désactive et je réessaye d'activer. Ah, d'accord, j'ai peut-être compris ce que j'ai fait de mal. Attendez. Ah, j'avais pas choisi le bon écran, je pense. C'est bon, ça marche, super. Allez-y, je vous Moi, en merci. prie.
Donc, c'est une partie de ce travail fait partie du projet Brio qui est financé par la facilité adaptation de l'AFD et par la COI, la Commission de l'océan Indien. Alors, je vous propose un plan en 5 parties. Nous reviendrons d'abord sur les changements climatiques observés à La Réunion et dans le bassin ces 30 à 50 dernières années à l'aide des observations passées. Ensuite, nous nous projetterons dans le futur pour introduire du vocabulaire sur les projections climatiques et les incertitudes dans un premier temps avec les exercices du GIEC et les différents scénarios. Ensuite, nous présenterons le projet Brio qui a permis de faire des simulations régionales à haute résolution sur notre bassin. Puis, exposerons les résultats issus de ce projet avant de les résumer et d'ouvrir sur des perspectives. Alors, commençons par les changements climatiques observés. Nous allons voir les tendances de température et de précipitation à La Réunion et nous parlerons aussi de la température de surface de l'océan, de l'élévation du niveau de la mer et de l'activité cyclonique de notre bassin. Alors commençons par la température à La Réunion. Ici, on voit l'évolution de la température depuis 1968 jusqu'à l'année dernière. En fait, plus précisément, c'est l'écart de température moyenne annuelle par rapport à la normale. Donc la normale, c'est la moyenne des températures sur une période de référence de 30 ans, ici 1981-2010. Donc ce que l'on voit déjà à droite de ce graphique, c'est que les 10 dernières années ont été très chaudes, et particulièrement l'année 2019 avec plus 1,2 degré par rapport à la normale. Et ce que l'on constate aussi, c'est qu'on a bien une tendance significative du réchauffement avec plus 0,9 degrés en 52 ans d'observer. Donc le réchauffement climatique est bien en cours à La Réunion, comme partout ailleurs sur le globe. La Réunion n'est pas épargnée. Si on s'intéresse maintenant à l'évolution des pluies annuelles, donc le même type de graphe, mais cette fois les rapports par rapport à la normale sont mesurés en pourcentage, on voit deux choses, qu'il y a une forte variabilité des précipitations d'une année à l'autre, c'est normal, il y a plus de variabilité sur la précipitation. Mais par contre, il n'y a pas de tendance significative décelable. On ne peut pas dire qu'il y ait plus ou moins de précipitations sur l'évolution sur 59 ans. En revanche, si l'on s'intéresse maintenant à la répartition des différents postes sur l'île et que l'on regarde toujours la tendance du cumul annuel de pluie, on voit que dans le sud-ouest, il y a une baisse significative des précipitations avec environ moins 5% par décennie depuis 1961. On peut également regarder l'occurrence des pluies extrêmes, c'est-à-dire le nombre de jours avec des pluies intenses supérieures à 100 mm en vert clair ou supérieures à 200 mm en vert foncé, toujours depuis 1961. Alors en fait, on voit qu'il y a une forte variabilité annuelle, mais il n'y a pas de tendance significative décelable sur les événements extrêmes. Alors je pense qu'il est intéressant aujourd'hui pour ce séminaire de revenir sur la sécheresse actuelle. Et pour cela, je vous ai représenté les précipitations, les rapports à la normale, toujours en pourcentage, sur l'ensemble de la saison sèche, qui comprend 7 mois de mai à novembre 2020. Alors on voit que l'ensemble de La Réunion est en déficit, aucun poste n'est au-delà de 100% en rapport à la normale. Et même la plupart des secteurs sont très déficitaires avec beaucoup de records qui sont matérialisés par des étoiles, comme par exemple la plaine des palmistes. Ce qui permet de qualifier cette saison sèche de deuxième saison la plus sèche en 49 ans. Son rang est de 2 sur 49. Alors le souci principal, c'est que cette sécheresse actuelle arrive derrière deux saisons des pluies qui n'ont pas été assez arrosées. Or, c'est souvent durant la saison des pluies que les réservoirs d'eau se remplissent. Donc je vous ai illustré ici les mêmes cartes de cumul de précipitations sur les saisons des pluies à gauche 2018-2019, de décembre à avril, sur 5 mois, et la saison des pluies passée 2019-2020. Alors on voit que 2018-2019 était au rang 1 sur 48 ans. Toute La Réunion était déficitaire, sauf les Hauts-de-Saint-Leu. Et l'année précédente, l'extrême nord, c'est-à-dire toute la partie nord de l'île, n'a pas pu recharger ses réserves d'eau non plus. Donc cette saison sèche arrive vraiment derrière deux saisons des pluies déficitaires. Si on s'intéresse maintenant à la température de surface de l'océan dans notre bassin, on a représenté ici l'évolution annuelle moyenne de cette température depuis 1968 sur deux boîtes ou deux zones, la zone sud-ouest de l'océan Indien, que je note SOOI, et la zone autour de La Réunion. Dans les deux cas, on voit que cette température augmente significativement et d'environ plus 0,5 à plus 0,6 degrés en 51 ans. Donc c'est normal, la température de la mer se réchauffe toujours un peu moins vite que celle de l'atmosphère. Mais on a quand même une tendance très significative.
Quant au, enfin, cette, ce réchauffement de la température de la mer induit une élévation du niveau des océans. Et ici, on voit la carte globale de la moyenne d'élévation du niveau de la mer sur les 25 ans de la période 93 à 2017. On voit que notre bassin est particulièrement, subit particulièrement des variations à la hausse, bon, sachant qu'il existe des fluctuations décennales. Donc ce type de dipôle que l'on voit avec des fluctuations rouges, vert, peut s'inverser au bout de 10 ou 20 ans, 30 ans. Mais pour l'instant, ce qu'on a constaté, c'est une augmentation de plus 5 mm par an dans notre bassin, soit plus 12 cm depuis 1993. Donc il faut faire attention à ne pas extrapoler cette tendance sur le long terme, notamment à cause des effets de seuil des fontes des calottes glaciaires. Enfin, en termes d'activité cyclonique sur notre bassin, on a représenté ici depuis la saison 81-82 l'évolution à la fois du nombre de tempêtes en orange et du nombre de cyclones en rouge dans notre bassin. On constate à nouveau une forte variabilité interannuelle et interdécennale, mais pas de tendance significative sur presque 40 ans sur l'évolution du nombre de systèmes. En revanche, ce que l'on constate, c'est une légère migration vers le sud de la position du maximum d'intensité cyclonique. Ici, ce graphique est représenté sur 33 ans de mesure. Et c'est un phénomène, en fait, que l'on peut, on peut aussi assimiler à une extension des tropiques vers le sud, qui est un phénomène qui est constaté globalement et qui a été publié par des chercheurs américains en 2014. Maintenant que nous avons établi les tendances passées, projetons-nous dans le futur, parce que en météo, on parle de prévision météo et en climat, on parle de projection climatique. Alors, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a défini 4 scénarios pour représenter l'évolution future possible des concentrations de gaz à effet de serre, d'ozone et d'aérosol pour le 21e siècle et au-delà. On les appelait dans l'exercice précédent du GIEC, l'exercice 5 de 2008 à 2014, des Representative Concentration Pathways, noté RCP. Dans le nouvel exercice du GIEC 6, qui prendra fin en 2022 avec le premier rapport l'année prochaine, ces scénarios correspondent à diverses stratégies d'adaptation et d'atténuation qui sont classées en 5 familles et donc ils ont été renommés. On parle de Shared Socio-Economic Pathways ou SSP. Alors, à titre d'exemple, un des scénarios les plus optimistes, c'est le scénario RCP 2.6, nouvellement appelé SSP 126, qui correspond à un effort international pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre afin de tenter de limiter le réchauffement planétaire à plus de 2 degrés à l'horizon 2100. Et le scénario le plus pessimiste, c'est le scénario RCP 8.5 ou SSP 585 qui correspond à la prolongation des émissions actuelles. Alors c'est le plus pessimiste, mais il faut savoir que c'est aussi le plus réaliste actuellement puisque la trajectoire de nos émissions de gaz à effet de serre est toujours calquée, alignée sur ce scénario. Alors ces scénarios ont été traduits en termes de forçage radiatif, c'est-à-dire de modification du bilan radiatif de la planète. Le bilan radiatif, ça représente la différence entre le rayonnement solaire qui est reçu et le rayonnement infrarouge qui est réémis par la planète. Et sous l'effet de facteurs d'évolution du climat, comme par exemple la différence de concentration en gaz à effet de serre, ce bilan se modifie. On parle de forçage radiatif. Donc les profils RCP et SSP correspondent chacun à une évolution de ce forçage différente à l'horizon 2100. Ils sont identifiés par un nombre exprimé en watts par mètre carré et représenté ici sur ce graphique. Ce nombre indique la valeur du forçage considéré à l'horizon 2100. Plus la valeur est élevée, bien sûr, et plus le système Terre-atmosphère gagne en énergie et se réchauffe. Alors, pour essayer d'anticiper les évolutions de température et de précipitation sur la planète, avec ces différents scénarios, l'ensemble des groupes de climat sur le globe conduisent des simulations avec leurs modèles de climat pour avoir un ensemble de simulations que l'on appelle CEMIP, les Coupled Model Intercomparison Project. Donc CEMIP 5 dans l'exercice précédent, CEMIP 6 aujourd'hui. Ici, j'ai représenté le graphique de l'exercice précédent qui montre l'évolution des températures dans le scénario optimiste 2.6 en bleu et pessimiste 8.5 en rouge. Ceci, c'est pour vous illustrer qu'on avait à peu près 39 modèles de climat qui avaient fait des simulations pour le scénario pessimiste 8.5. Et on voit la fourchette de valeur à l'horizon 2100 de l'évolution de la température par rapport à la normale de pré-industrielle. Une fourchette qui se situe entre environ 3 degrés à 5 degrés. Et si l'on prend la moyenne de ces modèles, le trait continu rouge, on voit qu'on a une évolution supérieure d'environ 4 degrés.
Donc, c'est pour vous montrer l'incertitude qui existe et qui est inhérente au modèle de climat. Chaque modèle prévoit des évolutions légèrement différentes pour un même scénario. Et c'est ce que l'on représente ici dans la cascade d'incertitudes sur le climat. On a les incertitudes sur l'évolution future de la société, les incertitudes sur les émissions de nos gaz à effet de serre futurs, les incertitudes inhérentes au modèle de climat global utilisé, et ensuite aussi, si on utilise un modèle régional comme nous allons le faire dans le projet Brio, les incertitudes liées au modèle de climat régional. Ensuite, on peut aussi appliquer un modèle d'impact et on a des incertitudes liées aux impacts locaux et aux réponses en termes d'adaptation. Donc, c'est pour vous représenter qu'en climat, on essaie de parler dans des fourchettes de valeurs plutôt que des valeurs fixes. Alors ici, je vous illustre un premier résultat de cet exercice en cours avec à peu près la moitié des simulations qui sont déjà parues et pour lesquelles nous avons pu faire des panaches similaires à ce qu'on vient de voir pour l'exercice CEMIP 5, mais pour l'exercice CEMIP 6 sur l'évolution de la température à l'horizon 2100. Dans trois scénarios qui ont été retenus dans le projet Brio, l'optimiste SSP 126 au plus pessimiste en rouge, SSP 585. Et ici, on a fait une moyenne sur notre région sud-ouest de l'océan Indien, bien qu'il s'agisse de modèles globaux. On constate qu'un réchauffement d'environ 3 à 5 degrés sur notre bassin, sachant que ces valeurs sont différentes sur les continents et dans la mer. La mer se réchauffe moins vite et les continents ont des valeurs plus élevées. Donc ça, c'est une moyenne pour tout notre bassin. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour ce même scénario pessimiste, les simulations CEMIP 6 sont plus pessimistes car elles montrent un réchauffement de 1 degré supplémentaire par rapport à l'exercice précédent CEMIP 5. Ici, on regarde le même type de graphique, mais c'est pour l'évolution du cumul annuel moyen de précipitations, toujours moyenné sur notre région sud-ouest de l'océan Indien, pour les trois scénarios de l'exercice en cours du GIEC. Alors, on voit cette fois qu'il y a une incertitude beaucoup plus élevée. Les panaches des différents scénarios, les enveloppes se rejoignent. Et c'est normal, la précipitation a toujours plus de variabilité naturelle. Et comme ce sont des modèles globaux aussi, ils prennent mal en compte les événements extrêmes comme les cyclones tropicaux, ainsi que les effets locaux, comme le relief, par exemple, à La Réunion, qui n'ont pas pu être pris en compte. Donc, ça illustre le besoin de faire une descente d'échelle, c'est-à-dire d'utiliser un modèle de climat régional, ce que nous avons fait dans le projet Brio. Donc, j'en arrive à ma présentation 3, qui vous explique les objectifs du projet, les caractéristiques des modèles et vous illustre l'apport de la haute résolution. Le projet Brio a pour objectif sur 2 ans de doter les pays de la zone Commission Océan Indien de simulations climatiques régionales à haute résolution, de former des experts de Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles à l'exploitation des jeux de données climatiques pour la production de services dédiés aux divers usagers, et de mettre à disposition les données climatiques sur un portail régional en libre accès. Les enjeux de ce projet sont de préciser les impacts attendus à l'échelle des territoires de la région, comme la ressource en eau, l'évolution, l'habitat, l'énergie, l'agriculture, la santé. Alors sur ce graphique, on a regroupé les principaux atouts de ce projet Brio, dont nous allons illustrer plus en détail certains par la suite. Par exemple, une meilleure définition du relief. Ici, on voit l'archipel des Comores. Dans un modèle global, comme les modèles de CEMIP 6 à résolution d'environ 150 à 200 km, ces îles ne sont pas représentées par de la terre, il y a de la mer à la place. Tandis que dans notre modèle à haute résolution, on voit du relief, beaucoup plus réaliste. Ce relief plus réaliste permet d'avoir des cumuls annuels de précipitations plus réalistes, nous allons l'illustrer. Et enfin, dans ce projet, on a eu une approche multiscénario en retenant 3 scénarios. Et nous avons donc réalisé des projections climatiques fines sur les territoires insulaires. Alors, je ne vous épargne pas le vocabulaire un peu technique, mais c'est plus pour vous parler de la suite avec les termes Aladdin et arpège. Donc, le modèle régional de climat utilisé s'appelle Aladdin. C'est donc un modèle à air limité, c'est-à-dire qu'il ne voit pas l'évolution du climat sur tout le globe. Et il a une résolution, par contre, plus fine de 12 km avec 91 niveaux verticaux. Et comme il ne voit pas l'évolution du climat sur tout le globe, il a besoin des informations au bord, puisqu'avec le vent, les paramètres de climat se déplacent. Donc, on dit qu'on le couple ou qu'on l'emboîte dans un modèle global. Et là, pour ce projet Brio, on a choisi un modèle de l'exercice CEMIP 6 en cours, un modèle français nommé ARPEJ ou CNRM-ESM2. Alors, ici, je vous illustre l'apport de la haute résolution sur un exemple de cyclone dans le modèle global ARPEJ à 150
150 km à gauche et à droite dans notre modèle régional Aladdin. Vous voyez que le cyclone est beaucoup mieux défini en termes de pression au niveau de la mer. En fait, on a un cyclone intense dans Aladdin, alors que dans Arpège, on s'arrête à une dépression tropicale. Alors, on a ici la même illustration du même cyclone, mais pour le cumul de précipitations sur 3 heures, par pas de 6 heures. Donc, on voit que le cyclone est beaucoup mieux défini avec même un œil et un mur de l'œil. Ensuite, comme on l'a dit précédemment, la meilleure représentation du relief permet de mieux représenter les précipitations sur des îles à fort relief comme Madagascar. Ici, on voit avec Aladdin à droite qu'on représente mieux l'impact des alizés sur la côte est qui est plus pluvieuse. Et sur la Réunion, eh bien, dans Arpège, un modèle à 150 km de résolution, la Réunion est divisée en 4 carrés. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de relief. Il y a surtout principalement de l'eau, alors que dans Aladdin, on voit les principaux massifs et, de l'île et cirques. Et du coup, le cumul annuel de précipitations représenté ici atteint des valeurs plus réalistes par rapport à la climatologie, avec des valeurs de 11 mètres dans les hauts de Sainte-Rose. Alors, passons maintenant aux résultats issus de ce projet. Alors, nous allons voir les projections climatiques sur notre bassin en termes de température et de précipitation. Et puis après, on regardera ce qui se passe plus précisément sur la Réunion pour le scénario pessimiste SSP 585 en termes de précipitation. Et puis, nous aborderons également les projections climatiques de l'activité cyclonique. Alors, commençons par les anomalies de température. Donc, c'est toujours des anomalies par rapport à la valeur de référence, la normale, de 1981 à 2010. Ici, je vous ai représenté en haut ces anomalies pour le scénario optimiste SSP 126 et en bas pour le scénario pessimiste SSP 585. À gauche, pour l'horizon de milieu du siècle et à droite, pour l'horizon de fin de siècle, 2071-2100. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans le scénario optimiste SSP 126, on n'a pas une grande évolution de la température entre le milieu et fin de siècle, avec à peu près plus 1 degré à prévoir. Mais dans le scénario pessimiste, on a une grande accélération du réchauffement à partir de la fin du siècle, avec des valeurs atteignant plus 5 à plus 6 degrés sur le continent, comme Madagascar et l'Afrique, et plus 4 degrés sur les îles. Cette diapositive permet aussi d'illustrer que, et c'est la bonne nouvelle, on peut toujours changer les choses si on essaie de s'aligner sur un scénario optimiste et donc de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, mais il faut agir dès aujourd'hui. Cette diapositive montre les tendances cette fois en termes d'anomalies de précipitation, donc toujours pour les deux scénarios 585, milieu du siècle et fin du siècle. Et cette fois, les anomalies de précipitation par rapport à la normale sont représentées en pourcentage. Bon, on voit qu'il y a globalement un léger assèchement, de couleur rouge, sur l'ensemble du bassin. Mais ceci cache en fait des contrastes saisonniers que j'ai voulu illustrer ici sur la simulation pessimiste SSP 585 et pour l'horizon de fin de siècle 2071-2100. Je vous ai représenté les rapports à la normale pour les quatre trimestres de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre, novembre, décembre. Alors ce que l'on voit, c'est qu'il y aura en fait une recrudescence des événements extrêmes, c'est-à-dire plus de précipitations en janvier, février, mars et une baisse marquée des précipitations sur le deuxième semestre, donc des sécheresses hivernales plus marquées. Maintenant, si on s'intéresse à la Réunion, revenons sur l'illustration des deux scénarios, SSP 126 et SSP 585, pour les anomalies de précipitations, milieu du siècle et fin de siècle. Alors, on voit que pour le scénario optimiste 126 en haut, on a une variation assez faible des quantités de précipitations avec une légère tendance à la baisse. Par contre, pour le scénario pessimiste 585, on a un net déficit, hein, une diminution des précipitations moyennes sur l'île. Si l'on regarde maintenant l'effet saisonnier pour la simulation pessimiste SSP 585 sur l'horizon de fin de siècle, pour les différents trimestres, on voit à nouveau cet effet saisonnier d'augmentation des extrêmes avec des mois janvier, février, mars plus arrosés et le deuxième semestre qui se prolongerait un peu dans le temps sur décembre comme actuellement, ce qu'on observe aujourd'hui, et qui serait bien plus sec avec des valeurs des fois de moins 50% sur certaines zones.
Alors, pour vous illustrer ce que ça donne en termes de cumul de précipitations, ici on a les mêmes cartes, mais au lieu d'être des pourcentages, c'est des déficits en millimètres. Et on voit par exemple qu'on atteint des déficits de l'ordre de 500 mm sur les Hauts-de-Sainte-Rose en octobre, novembre, décembre. Enfin, je vous ai représenté ici l'évolution de l'activité cyclonique par classe d'intensité pour la période de fin de siècle 2066-2099 et pour les trois scénarios, en partant de la gauche vers la droite, du plus optimiste 126 au plus pessimiste 585. Donc on a compté le nombre de systèmes toutes les 6 heures qui existaient dans le modèle et on les a classés par intensité, de la dépression tropicale DT à la tempête tropicale TT, le cyclone tropical CT, cyclone tropical intense CTI et cyclone tropical très intense. Alors ce qui apparaît sur ces graphiques, c'est qu'on observera une probable diminution du nombre total de systèmes, en bleu c'est une diminution, nombre de total de systèmes dépressionnaires, surtout dans le scénario pessimiste, mais globalement, une possible augmentation du nombre de systèmes intenses à très intenses, ou constants dans certains scénarios. Alors, en conclusion de cet exposé, on a vu que l'évolution de l'activité cyclonique sur le long terme présage la continuité de la migration vers le sud de la position du maximum d'intensité cyclonique, comme on l'observe aujourd'hui, une probable augmentation du maximum d'intensité cyclonique, une probable diminution du nombre total de systèmes dépressionnaires, un nombre de systèmes intenses ou très intenses constants ou en hausse. Pour le scénario pessimiste du GIEC SSP 585, on a vu qu'on a à attendre une augmentation de la température à la fin du siècle de 3 à 4 degrés sur les îles comme la Réunion et de 5 à 6 degrés sur le continent ou Madagascar, avec l'enveloppe des simulations CMIP 6 qui est plus pessimiste pour ce même scénario que CMIP 5, avec un réchauffement de l'ordre de 1 degré supplémentaire, même en métropole. En termes de tendance des précipitations, il y a plus d'incertitudes puisque c'est un paramètre qui a une forte variabilité, mais il y a une probable baisse des précipitations en saison sèche, comme on l'observe actuellement, et une augmentation des phénomènes extrêmes, inondations et sécheresses. En termes de perspective, nous allons continuer à produire des indicateurs climatiques dédiés aux divers secteurs climato-sensibles comme la santé, l'agriculture, la biodiversité, les ressources en eau, l'énergie. Et nous aimerions aussi mieux échantillonner l'incertitude, donc utiliser l'ensemble des modèles globaux CMIP6 disponibles pour faire ce qu'on appelle une descente d'échelle statistique et aussi réaliser une nouvelle simulation régionale Aladdin couplée avec un autre de ces modèles. On avait utilisé Arpège, on pourrait utiliser le modèle de l'IPSL. Ça s'appelle une descente d'échelle dynamique. Et ensuite, d'alimenter le portail web d'ici la fin du projet, autour de juin 2021, pour mettre à disposition les jeux de données du projet pour les études d'impact. Alors ici, en guise de clôture, je vous ai illustré un exemple d'indicateur climatique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un indicateur climatique? Ici, par exemple, on a représenté le nombre de jours secs consécutifs à La Réunion et son évolution, donc depuis la période historique en noir, période passée, jusqu'au futur pour les trois scénarios que nous avons retenus. Donc ça mesure en fait le nombre de jours maximum de jours secs consécutifs. Et ce que ça illustre, c'est qu'a priori, en scénario pessimiste SSP 585, on aura des sécheresses plus longues dans le temps à partir de l'horizon de milieu du siècle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Leroux pour toutes ces indications, toutes ces précisions sur les perspectives d'évolution du climat à La Réunion, hein, donc aussi bien température, pluviométrie que événements cycloniques. On va passer à une deuxième partie du webinaire, une table ronde. Je rappelle à tous les participants que si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire par écrit. Vous avez la possibilité hein, sur le panneau de contrôle qui est en haut de votre écran sur la droite, hein, un petit texte. Et la séance de questions-réponses aura lieu en fin de session, donc après la partie table ronde. Cette table ronde est dirigée autour des solutions envisagées dans le domaine de l'eau du territoire. Donc on va donc écouter plusieurs intervenants, Monsieur Badat de l'Office de l'eau, Madame Touré de la mairie de Sainte-Suzanne, Monsieur d'Andreville de la commune de la Possession, Madame Nassor Khalid-Chama de la commune du Port, Monsieur Aubourg de EDF et enfin Madame Moirot de Renéo. Je laisse tout de suite la parole
à Monsieur Faisal Badat, directeur adjoint de l'Office de l'eau de La Réunion, qui apporte son expertise sur les enjeux locaux en matière de gestion de la ressource eau. Monsieur Badat, la parole est à vous. Merci, bonjour. Vous entendez correctement? Oui, très bien, allez-y, je vous en prie. Ok, donc par rapport à la ressource en eau, la donnée d'entrée, et comme c'est bien l'intervention de Madame Leroux en ce sens, c'est bien la pluviométrie. Donc à La Réunion, grosso modo, le territoire reçoit une quantité d'eau autour de 7,6 milliards de mètres cubes par an. Donc ce sont bien des moyennes. Et quand on regarde le cycle de l'eau hein, sur le territoire, 1,4 milliard de mètres cubes sont au niveau des rivières et 3,2 milliards de mètres cubes se retrouvent dans les aquifères, que ce soit un volume prépondérant dans les aquifères littoraux, de l'ordre de 2,7 milliards de mètres cubes, et dans 0,5 milliards de mètres cubes dans les aquifères en altitude. Donc ça, c'est un fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la donnée d'entrée, c'est bien la pluviométrie, et c'est notamment au cours de la saison des pluies, entre le mois de décembre et le mois d'avril, que se fait principalement la recharge de la ressource en eau. À peu près 80% de la recharge se fait à cette période-là, et ce que nous constatons aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, nous avons plutôt des saisons des pluies déficitaires, même si hein, on a relevé ponctuellement quelques années excédentaires, mais depuis 2010, le signal est plutôt déficitaire, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une insuffisance de recharge de la ressource en eau sur l'ensemble du territoire. Hein, je parle globalement pour l'ensemble du territoire. Donc voilà. Maintenant, si on met en parallèle les besoins, c'est-à-dire par rapport à nos usages, alors or et hydroélectricité, je laisserai Monsieur Aubourg en parler, le besoin annuel pour la Réunion s'échelonne entre 200 et 220 millions de mètres cubes. Tout de suite, le rapport. Nous avons une quantité d'eau de milliards de mètres cubes. Nous avons des besoins de 200 millions de mètres cubes. Donc, en théorie et en moyenne, tous les besoins sont satisfaits, que ce soit des besoins domestiques et les besoins économiques, notamment pour l'irrigation agricole ou l'activité industrielle. La difficulté, c'est que cette répartition n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire et ben, nous avons et n'est pas non plus homogène sur dans le temps. Donc voilà. Nous avons un secteur des pluies, donc la région habituellement appelée la région Est-Nord, et une région sous le vent qui aujourd'hui se caractérise par des cycles un peu plus secs, donc la région Ouest et Sud-Ouest. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une alternance saison des pluies, c'est saison sèche. Donc la difficulté que nous avons aujourd'hui, et nous le vivons aujourd'hui, depuis le mois de juillet 2020, c'est que nous sommes confrontés, à certaines périodes de l'année à une non-disponibilité de cette ressource en eau. Le deuxième point, par rapport aux effets du changement climatique, il a été évoqué tout à l'heure, l'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer qui va venir impacter la ressource en eau souterraine par rapport et notamment sur le milieu littoral. Donc la proximité de la mer et de l'eau douce, donc se crée, c'est une frontière qu'on appelle le biseau salé. Et le fait que cette pression marine augmente, et les prévisions aujourd'hui, selon les chiffres, c'est entre 20 cm ou entre 2 cm et 20 cm de mémoire, voilà. Cette pression va donc augmenter et il y a un risque de salinisation de l'eau souterraine. Et je l'ai dit tout à l'heure, hein, la majeure partie de l'eau souterraine est accessible en bordure littorale de l'île. Voilà, donc on a une pression qui grandit encore un peu plus sur la qualité des eaux souterraines.
Et donc, c'est une pression supplémentaire qui peut venir impacter donc, la non-utilisation de cette eau par rapport à nos besoins. Il faut savoir, aujourd'hui à La Réunion, par rapport à des besoins domestiques, nous sommes la répartition entre eau superficielle, donc dans les rivières, et eau souterraine dans les aquifères, c'est à peu près 50-50. Donc là, si on regarde l'ensemble des usages, donc on y rajoute les usages économiques, il y a la prépondérance de l'eau superficielle, notamment avec l'irrigation en agriculture, donc on va les prendre l'eau plutôt dans les rivières. Donc là, c'est l'eau superficielle donc, qui est plus mobilisée, mais pour nos besoins de consommation humaine, pour nos activités de tous les jours, la répartition de l'origine de l'eau, c'est à peu près 50-50 entre eau superficielle et eau souterraine. Donc voilà, j'ai essayé de tracer rapidement un état des lieux. Après, je pense qu'il y aura une deuxième partie de l'intervention ou du débat où on va parler de solutions, peut-être, enfin, certainement. Et solutions, aujourd'hui, nous les avons intégrées en ce qui concerne la ressource en eau à travers le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, donc le SDAG, qui est un document de planification de la politique de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique Réunion, donc voilà, comme ça se fait sur les autres bassins hydrographiques, et la dimension changement climatique a bien été intégrée aujourd'hui dans le projet de SDAG sur lequel l'équipe projet DEAL Office travaille. Donc on a produit aujourd'hui des documents, le projet de document arrêté par le comité de l'eau de la biodiversité. Et nous avons bien intégré donc, cette dimension changement climatique et notamment les réponses à apporter pour s'adapter au changement climatique. Il ne s'agit plus de lutter maintenant. Les effets sont là, malheureusement, on les voit. Alors, je note avec un certain optimisme que les différentes simulations sur les précipitations permettent d'avoir des signaux plutôt favorables en saison des pluies, avec au bémol près hein, des phénomènes extrêmes. Donc voilà. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien à ce moment-là que la recharge est maximisée. Donc, mais il faut aussi noter des phénomènes plus secs pendant la saison sèche, malheureusement. Aujourd'hui, c'est bien cette période où nos besoins, et je pense notamment à l'irrigation agricole, donc la campagne sucrière se déroulant de juillet à décembre, les cannes, une fois coupées, les cannes vont repartir donc en repousse, et c'est à ce moment-là où on aura peut-être besoin plus d'eau. Malheureusement, les simulations montrent que dans l'avenir, ces périodes seront plus sèches. Donc ce sont bien des éléments aujourd'hui à prendre en compte dans nos politiques d'aménagement de territoire. Dernier point que je voulais évoquer également, c'est apporter donc une certaine résilience de territoire vis-à-vis de ces phénomènes. Et résilience, ça ne veut pas dire simplement accepter ce qui va arriver, c'est aussi être capable d'innover, de changer ce que nous faisons, nos habitudes, notre aménagement de territoire et un second volet, avoir une vision peut-être un peu plus dynamique de ce qui se passe sur le territoire. Madame Leroux a évoqué l'observatoire, un observatoire dont les informations seront mises à disposition du public pour permettre à tout un chacun de pouvoir aider, poursuivre dans cette politique sectorielle. À l'Office de l'eau, nous avons également donc un certain nombre de données qui sont en ligne aujourd'hui à travers le SIE Réunion sur le site internet de l'Office de l'eau. Donc voilà. Et il s'agit bien aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est d'être le plus réactif possible, de mettre l'information le plus en temps réel possible, donc, mais une information correcte, fiable et pertinente. Donc voilà. Donc je terminerai sur ce point par rapport à mon intervention. Merci, Monsieur Badat, pour ces éléments, pour votre expertise sur la question.
Vous avez parlé de réponse du territoire hein, à cette problématique. On va entendre le témoignage de Madame Ramata Touré, adjointe au maire et conseillère communautaire de Sainte-Suzanne, présidente du SPANC et vice-présidente de la commission environnement et développement durable de la CINOR, et celui de Monsieur Farouk Abdallah. Excusez-moi Monsieur Abdallah, j'ai oublié de vous citer tout à l'heure, mais vous êtes bien présent parmi nous. Directeur de l'eau de la CINOR, qui interviendront sur la composante gestion de l'eau du plan climat, air, énergie du territoire nord de la CINOR. La parole est à vous, Madame Touré, Monsieur Abdallah. Oui, c'est le micro, ça. C'est bon. Ok, bonjour à tous. J'aimerais d'abord revenir sur, la présentation de Madame Leroux. Qui était une présentation très claire en tout cas, donc qui nous a permis de bien comprendre l'enjeu et l'urgence face au réchauffement climatique. Et c'est vrai que là, on voit clairement qu'il y a que le réchauffement climatique est visible. Quand on parle de une augmentation de 0,9 degrés Celsius à La Réunion sur 152 ans. Sur également le réchauffement au niveau de la mer. Donc là, on comprend très bien que c'est quelque chose de réel. Donc voilà, donc c'était pour revenir un petit peu sur ça. Et pareil, hein, il n'y a pas de miracle quand on entend. Alors après, c'est très technique hein, quand j'entends SSP, les SSP, on voit bien que pour l'aspect pessimiste, si on ne fait rien. En tout cas, si on ne fait rien, on aura une augmentation de 4 à 6 degrés Celsius en Afrique et ou à Madagascar, si je ne me trompe pas, et 4 degrés sur les îles. Donc, c'est aussi très clair. Donc, je pense que ça aussi, on l'a tous remarqué. Donc, voilà. Donc, moi, j'interviens un petit peu en disant que la lutte contre le réchauffement climatique est désormais bien présente dans nos politiques publiques. Cela se traduit à l'échelle de notre agglomération par une redéfinition de nos actions de terrain. Et cela pour chacune de nos compétences que nous exerçons, bien sûr, au sein de l'intercommunalité CINOR. Parmi elles, nous avons eu tout récemment, donc le 1er janvier 2020, la compétence donc de l'eau. Déjà une ressource à préserver lors de ces 30 dernières années, l'eau sous toutes ses formes sera un enjeu encore plus prégnant à l'échelle de notre PCI pour les années qui viennent. Nous nous devons de mettre les moyens nécessaires pour limiter les prélèvements, la distribuer en tout cas sans perte, l'économiser dans nos usages, la dépolluer avant de la restituer dans le milieu naturel. Le réchauffement climatique va vraisemblablement raréfier la ressource. Alors nous nous devons bien sûr d'utiliser tous les outils pour préserver cette eau, y compris celui qui consiste à réutiliser les eaux une fois épurées après un traitement poussé comme ici à la station d'épuration. Cela se fait déjà dans plusieurs pays. Hein. Nous avons quelques exemples aux Émirats arabes, l'Arabie saoudite, en Israël également, où la denrée est rare, donc elle est précieuse. Et à La Réunion, je pense que ça viendra également. L'eau devient aussi de plus en plus précieuse. Donc voilà, pour la protéger, nous pourrions aussi employer toutes les ou partie, en tout cas, de la ressource qui constitue 10 millions de mètres cubes par an d'eau épurée pour l'utiliser sur les cultures non vivrières comme la canne à sucre afin d'assurer leur rendement pour les prochaines années. Donc voilà, soyons pragmatiques tout en respectant les normes et en conservant le droit d'agir intelligemment. Optimiser au mieux la gestion de notre eau pour qu'elle soit de qualité à un coût acceptable par tous. Ce serait l'un des grands défis à relever face au changement climatique qui nous attend. Voilà pour mon intervention. Je laisse la parole à Farouk Abdallah, directeur de l'eau. Bonjour à tous. Effectivement, le réchauffement des planètes et l'évolution démographique impactent le cycle de l'eau, donc les services d'eau et d'assainissement. En effet, les modifications du climat
et du cycle de l'eau peuvent avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement, la qualité et l'efficacité des services d'eau et d'assainissement. On se doit de comprendre l'impact de ces services afin de réduire les risques qui affectent l'efficience des investissements réalisés pour l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement. L'amélioration des rendements de réseau est primordiale afin de permettre la diminution des prélèvements dans les nappes. Donc l'impact sur l'énergie avec une baisse des coûts énergétiques et le confort des abonnés avec moins de coupures à cause des réparations. Aussi, le secteur de l'eau et de l'assainissement n'est pas considéré comme un secteur fortement émetteur à effet de serre. Les actions d'atténuation reposent surtout sur l'utilisation des sources d'énergie plus propres et la réduction des consommations. Nous envisageons à la CINOR d'équiper de nos installations nouvelles de pompage de panneaux solaires pour l'autoconsommation. Les épisodes pluvieux intenses et brutaux et les crues, les cyclones, ont pour conséquence les interruptions du service, les difficultés d'accès au captage, la fragilisation des infrastructures. Nos actions. On devra agir sur la gouvernance des services, la protection de la ressource et la performance de nos services. Pour cela, il faudra sensibiliser nos abonnés afin que les gens comprennent que le coût de l'exploitation de nos services est quand même primordial et à moindre coût. L'eau est un bien de l'humanité. Pour arriver au robinet, nous devons la capter, la transporter, la traiter, la distribuer et procéder à des contrôles de qualité permanents. En moyenne, 1000 litres d'eau à La Réunion coûte 2,35 €. L'eau est potable et traitée avant rejet dans la nature. En conclusion, notre résilience va dépendre de l'engagement de tous. Merci. Merci Madame Touré, merci Monsieur Abdallah pour votre engagement, pour toutes les actions qui sont menées afin de mieux préserver la ressource en eau et de diminuer la consommation et éviter les pertes dans les réseaux. Très important pour cette problématique. On va aller voir du côté de la possession avec l'intervention de Monsieur Christophe d'Ambreville, adjoint au maire, conseiller à l'agriculture de la ville de la possession et élu de quartier de Dodane. Monsieur d'Ambreville, je vous laisse la parole sur le sujet de l'optimisation et de la gestion de la ressource en eau sur cette commune. Votre micro est désactivé. Là, ça va mieux. Très bien, allez-y, je vous en prie. Bonjour à tous. Donc, ce que je retiens, et je féliciterai le travail de Météo France et des autres instituts qui collaborent avec vous, notamment pour la précision apportée sur le nouveau modèle de simulation de l'évolution du climat, avec Aladdin couplé à Arpège, de ce que j'ai compris, et qui permet de nous donner des tendances et du coup des éléments pour pouvoir travailler et avoir conscience de ce qui est en train de se passer et de ce qui risque de se produire à l'avenir, et du coup d'avoir des éléments sérieux et fiables pour à la fois pour sensibiliser la population, les instituts et les élus que nous sommes, et prendre les bonnes décisions pour essayer de contrer autant que faire se peut les contraintes et les obstacles que vont générer le changement climatique. Donc, merci pour ce travail. Je vais vous faire une présentation des différentes solutions qu'on a commencé à mettre en place sur la ZAC Cœur de Ville à la Possession. Donc, la ZAC Cœur de Ville qui est l'éco-quartier de la Possession et qui fait partie intégrante de l'éco-cité, la future éco-cité Cambé, Saint-Paul, Port-Possession. Et dans cet éco-quartier, qui est labellisé, qui a eu de nombreux prix, on s'attache à être vertueux et à mettre en place des méthodes innovantes. L'innovation a été citée et demandée tout à l'heure. Donc, mettre en place des méthodes innovantes pour améliorer et rendre la ville plus fonctionnelle, écologiquement. Donc, on a travaillé notamment concernant le cycle de l'eau. C'est l'objet de ma présentation un petit peu aujourd'hui. Le cycle de l'eau sur la ZAC Cœur de Ville à travers deux points clés.
dans un premier temps, c'est de réduire la consommation d'eau consommée à l'échelle de l'écoquartier. Et pour cela, on utilise l'eau potable uniquement à des fins alimentaires. On a recours à l'eau brute d'irrigation pour l'entretien des espaces verts. Pour l'entretien de ces espaces verts, on a un deuxième point qui fera partie d'un deuxième paragraphe que je détaillerai tout à l'heure. Donc, premièrement, utiliser uniquement de l'eau potable à des fins alimentaires. Deuxième point, c'est de choisir des variétés végétales, toute une palette végétale xérophile, c'est-à-dire adaptée à la zone de la possession qui se situe plutôt, pour le moment, en partie basse et dans une zone sèche. Donc, avoir une palette végétale adaptée à ce type de microclimat pour avoir des entretiens qui soient limités et le moins possible consommateurs d'eau. C'est, je pense, un élément très important à développer à l'avenir. D'avoir un arrosage manuel qui puisse être contrôlé ou avec une gestion, là aussi, qui soit soft et adapté au moment de l'année. Je vous donne un exemple avec les différents arrêtés qui sont pris depuis 2 ans maintenant, des arrêtés sécheresse. Sur la possession, on mène, là, c'est plus uniquement sur le quartier cœur de ville, mais sur toute la commune, on mène une politique volontariste où les espaces verts sont correctement irrigués quand c'est nécessaire pendant la saison des pluies, mais dès qu'on attaque la saison hivernale, on se met dans un autre état d'esprit où l'objectif est de garder les plantes vivantes, mais pas qu'elles se développent, qu'elles développent leur plein potentiel. Donc, on réduit d'office, avant même qu'un arrêté soit pris, on réduit l'irrigation de 50% à minima pendant la période sèche. Ce qui rajoute une pierre supplémentaire à la gestion globale de l'eau. Et un prochain point qui est plus technique là sur l'écoquartier consistera à suivre la consommation d'eau avec un système de smart grid. Et en même temps, un système qui est aussi déployé sur la possession depuis maintenant 2 ans, qui s'appelle le télérelève et qui permet d'avoir un suivi régulier de la facture d'eau par un système d'information envoyé en continu par des ondes. Donc, ces trois dispositifs donc, font partie du premier paragraphe qui s'appelle « Réduction de la consommation d'eau ». On a un deuxième chapitre sur l'écoquartier cœur de ville qui concerne la gestion des eaux pluviales avec comme préoccupation principale de ralentir l'écoulement de cette eau pluviale, ralentir son écoulement vers les exutoires et du coup vers la mer, ce qui est une perte pour l'île hein, et pour la commune, mais plutôt de ralentir cet écoulement pour permettre l'infiltration dans des noues végétalisées. Hein, ce sont des caniveaux avec un enrochement et de la végétation plantée à travers l'enrochement pour ralentir la vitesse d'écoulement de l'eau et permettre l'infiltration. On a aussi des bassins de rétention dans les différents îlots de l'écoquartier. Par ailleurs, on a développé toute une ingénierie en étant accompagné par le bureau d'études, les différents bureaux d'études, et nous avons fait des jardins déjà et des espaces verts qui sont en creux, et qui recueille les eaux pluviales, notamment des bâtiments privés, des immeubles et des petits collectifs, pour permettre l'infiltration de ces eaux, enfin en tout cas une bonne partie de l'infiltration des eaux pluviales issues de ces bâtiments. Le surplus passe un dispositif de surverse et rejoint les noues pour aller se déverser dans l'exutoire naturel. Voilà donc quelques dispositifs qui ont été développés sur les premiers îlots. Hein. Aujourd'hui, sur la ZAC Cœur de Ville, on est à peu près à 50% de réalisation. Donc, on a déjà vu déployer tous ces dispositifs qui résistent bien pour le moment aux quelques saisons des pluies qu'on a vécues, même si on a eu très peu de cyclones l'année dernière et des cyclones pas très forts en 2018. La végétation a bien pris place, on a un bon taux d'enracinement et de développement. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'écoquartier et ça montre en l'occurrence que ces dispositifs-là sont
peuvent être rapidement mises en place, si c'est budgété, bien sûr, hein, bien entendu, et arrivent à un rythme de fonctionnement rapidement également. Voilà, donc nous en sommes très satisfaits aujourd'hui sur la possession. Ça ne fait pas partie de la thématique eau, mais je voulais aussi insister, puisqu'on parle beaucoup de changement climatique, aujourd'hui, je voulais aussi insister sur le rôle de l'arbre et de la végétation. Sur la possession, on mène aussi une politique de végétalisation, peut-être un peu de végétalisation à outrance, mais en gros, on fait un petit peu la chasse au béton, qui est perçu comme un îlot de chaleur, et l'ensemble des élus a été très sensibilisé à cet aspect-là au moment de la conception de l'écoquartier. Et on essaie de développer ça sur les différents autres quartiers de la possession où on fait beaucoup de chantiers participatifs de végétalisation. Et je voulais rappeler quand même le rôle de l'arbre et des végétaux qui, au-delà de l'élimination des îlots de chaleur, permet aussi de faciliter l'infiltration de l'eau puisqu'il décompacte les sols, il a tout un système racinaire. Et ça permet l'écoulement de l'eau verticalement dans la strate de sol pour pouvoir recharger la nappe. C'est aujourd'hui un point très important et un chiffre clé pour souligner l'effort qui a été fait sur la ZAC Cœur de Ville, c'est que 38% des espaces de la ZAC sont des espaces perméables, que ce soit des espaces verts ou alors des parkings filtrants. Donc voilà pour les quelques exemples qu'on a pu mettre en place sur la possession depuis 3 ans maintenant. Merci Monsieur d'Ambreville, hein, merci pour votre engagement et merci pour nous présenter les actions que vous avez menées qui peuvent servir d'exemple, hein, pour d'autres territoires. On va passer à Madame Faouzia Nassor-Kaïchama qui travaille à la direction des infrastructures de la ville du Port et qui va nous partager un projet de réutilisation des eaux usées de la commune. Madame Nassor, je vous laisse la parole et je vous laisse partager aussi votre présentation. Bonjour à tous. Alors en fait, normalement, c'est Madame Isabelle Robert qui fait défiler mes diapos parce que je suis connectée via mon téléphone portable. Je ne pourrais pas faire défiler les diapositives. Ouais. C'est bon de votre côté? Alors, c'est même moi qui vais la partager pour vous. Et alors, ça devrait être bon. C'est bon. Il y a juste à mettre en plein écran et c'est bon. Oui, en plein écran, ça sera peut-être un petit peu plus visible. Voilà. C'est bon? Alors, moi, je vais vous parler du projet porté par la commune du Port de valorisation des eaux usées. Et je vais commencer par un petit peu d'histoire, si vous me permettez. Ça défile pas, Madame Ritter. Voilà, donc je disais, j'allais commencer par un peu d'histoire. Alors, sur cette première diapositive, vous avez deux photos aériennes, une de la commune du Port dans les années 50 et une autre de la commune aujourd'hui. Et donc, vous constaterez que l'urbanisation en 50 ans, elle a été très importante sur notre commune et qui s'est développée et qui s'est structurée autour des installations portuaires. Donc, c'est une commune industrielle et Monsieur d'Ambreville tout à l'heure parlait de chasse au béton. Ben, nous, le béton, on connaît, on est dedans. C'est une commune voilà, qui est très urbaine. Donc jusqu'au début des années 70, la ressource en eau était très problématique sur la commune du Port. Les quartiers étaient alimentés par des bornes fontaines via de l'eau captée sur les sources Blanches et Denise et pour lesquelles l'adduction se faisait par des canalisations à flanc de falaise. Donc c'est le premier défi que la commune du Port a eu à relever. À savoir approvisionner la population en eau potable de qualité. Donc depuis 50 ans, la ville a beaucoup investi pour mettre en œuvre, pour réaliser des puits, des forages, une unité de potabilisation en comaîtrise d'ouvrage avec la commune de la Possession et encore cette année la mise en service de 3 derniers forages sur les berges de la rivière des Galets. Donc, des investissements importants portés depuis 50 ans pour aller chercher l'eau
Et Monsieur Abdallah parlait tout à l'heure de limiter des prélèvements inutiles. Il y a eu également un gros travail de fait sur la qualité des réseaux. Alors aujourd'hui, on a un réseau qui a un rendement de réseau de 81%. Mais voilà, le prélèvement au milieu naturel, il existe et il est nécessaire. Donc le deuxième défi qui a dû être relevé par notre commune, c'est de poursuivre son développement, mais aussi en même temps d'améliorer le cadre de vie des administrés. Donc encore une fois, le terme de chasse au béton de Monsieur D'Ambreville tout à l'heure illustre très bien la situation de la commune du Port, qui malgré la sécheresse et malgré l'aridité du territoire, a réussi à tramer sa commune par des axes arborés. Aujourd'hui, on a en moyenne 45 mètres carrés d'espace par habitant, donc répartis sur des parcs et sur des squares. Donc la principale contrainte pour maintenir ces espaces verts, c'est bien sûr de pouvoir irriguer. Et aujourd'hui, on consacre 1 million de mètres cubes par an pour l'irrigation de nos espaces verts. D'où le projet de valorisation des eaux usées. Alors, je ne dirais pas qu'on était dans de l'anticipation, mais quand même, il y a 30 ans déjà, la commune a lancé ses premières réflexions sur la réutilisation des eaux usées en sortie de station d'épuration. Donc, la station d'épuration a une capacité de 11 000 m3 d'eau produite par jour. Et l'objectif de notre projet, c'est de détourner entre 6 et 8 000 m3 d'eau pour des usages d'arrosage d'espaces verts, voire des usages industriels. Donc, l'économie, elle est à 1 million de m3 d'eau. Et pour que ce soit parlant, ça représente 2 forages exploités 19 heures par jour. Donc, c'est quand même assez significatif de l'impact sur la ressource et sur nos ouvrages. Donc, le troisième défi qu'on doit relever aujourd'hui et qu'on essaye de relever depuis 30 ans maintenant, c'est de poursuivre le développement de la commune. Donc, pour vous dresser un peu le tableau des usages sur la commune, on a à peu près 58% qui sont destinés à des usages domestiques. 16% sur les écoles et locaux administratifs de la commune, 14% pour des usages industriels et 12% pour nos espaces verts. Donc les usages industriels et les espaces verts représentent la cible de ce projet de valorisation des eaux usées. Donc ce projet de valorisation, il a pour objectif de satisfaire les besoins en eau de la ville du Port dans un esprit de développement durable. Et de préservation de la ressource en eau. Alors, je fais un petit rapprochement avec ce que disait tout à l'heure Faisal Badat de l'Office de l'eau concernant le biseau salé. Aujourd'hui, certes, on a des forages, mais ces forages sont quand même en zone littorale. Et le biseau salé, c'est un peu un jeu d'équilibriste que doit faire aujourd'hui notre exploitant pour s'assurer de ne pas arriver à des situations de salinité des ouvrages qui seraient irréversibles. Donc, on a un seuil de gestion à 600 microsiemens, mais qu'on doit surveiller comme le lait sur le feu pour s'assurer de la pérennité de la ressource. Donc, ce projet de réutilisation des eaux usées, il est aussi cohérent avec les documents d'orientation qui nous demandent quand même d'adapter la ressource aux besoins. Donc aujourd'hui, le projet qu'on présente, il permet de réserver l'eau potable pour des usages domestiques et d'utiliser de l'eau réutilisée pour des usages non domestiques et non alimentaires. Donc le projet, il devrait, s'il voit le jour, à proximité immédiate de la station d'épuration, il a été estimé à 19 millions d'euros, dont la moitié pour les réseaux, puisqu'on est dans l'obligation de partir sur des réseaux distinctes, on va dire, du réseau d'adduction et de distribution d'eau potable. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un projet qui a mûri 30 ans. Je vous fais grâce de toutes les étapes, mais effectivement, les premières réflexions ont été lancées en 1990 et dans les années 93-96, il y a eu un pilote qui a été réalisé dans le site de la station d'épuration de filtration sur l'île Sable.
Le pilote a été concluant, sauf que la grosse contrainte sur ce type de process, c'est l'emprise foncière. Donc, ça a mis un premier coup d'arrêt au projet. Le deuxième coup d'arrêt, il a été lié à la station elle-même, puisqu'elle était clairement sous-dimensionnée au regard de l'augmentation démographique sur le port et la possession, parce que c'est une station intercommunale donc qui gère les eaux usées du port et de la possession. Donc, il a fallu en premier lieu étudier la réhabilitation de la station. Et donc, dans le cadre de cette réhabilitation, il a fallu prendre en compte le projet de réutilisation des eaux usées. Et aujourd'hui, la station d'épuration, donc, qui est en service depuis 2011, a permis quand même une amélioration nette de la qualité de l'eau en sortie. Donc aujourd'hui, la station sort une eau de qualité de baignade. Mais malgré tout, parce qu'on était conscient qu'il fallait quand même montrer patte blanche pour pouvoir utiliser cette eau sur des espaces verts ouverts au public, c'est un peu ça la grosse difficulté qu'on a sur notre projet. Pour irriguer des espaces verts ouverts au public et pour éviter des distances de sécurité qui sont imposées par la réglementation, on a poussé le traitement, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de rester sur l'eau qualité de baignade en sortie de station d'épuration qui a un process membranaire plus une désinfection UV, mais on a proposé un étage de traitement supplémentaire pour apporter une garantie sanitaire. Donc, j'essaye de reprendre le fil. Donc, par rapport à l'arrêté de 2010 qui nous demandait un pilote expérimental, donc on a réalisé un pilote expérimental en 2013 sur un process d'osmose inverse. Donc, à l'issue de ce pilote de 6 mois de l'osmose inverse sur un pilote installé sur la station d'épuration, les résultats ont été très concluants. Donc, sur la base de ces résultats, on a déposé un premier dossier de demande d'autorisation. Mais en 2014, on a déposé un dossier qui a dû être revu parce qu'on a dû répondre sur la pollution qui a été constatée sur la commune du Port. Donc, la question qui était portée par les services de l'État était il y avait deux questions. Il y avait la question de la contamination de la ressource en eau par le biais de cette irrigation de l'eau osmosée. Et il y avait également la question de l'entretien des espaces verts, puisque les déchets verts rentrent dans un process de compostage. Donc, ces deux questionnements-là nous ont obligés à trouver des solutions ou au moins des réponses à ces questions. On a travaillé donc avec le CIRAD pour apporter des éléments de réponse sur la mobilité du plomb et sur la phytodisponibilité du plomb. Et à la conclusion, à la suite de cette étude réalisée par le CIRAD, on a pu en conclure que le plomb présent dans le sol était peu mobilisable et peu phytodisponible. Donc, on a déposé un deuxième dossier de demande d'autorisation qui a reçu un avis favorable du CODER, c'est important de le préciser. Malgré tout, l'arrêté qui a été publié ne nous permet pas d'aller au bout de ce projet. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que le dossier de demande d'autorisation portait une dérogation sur la présence d'éléments traces métalliques dans le sol, mais également une demande de dérogation sur les distances de sécurité. En fait, ce que la réglementation impose, c'est 5 mètres de distance par rapport à la portée des asperceurs. Donc, ça veut dire que par rapport à la portée des asperceurs, les voies de circulation et les espaces verts irrigués et ouverts au public doivent être distants de 5 mètres. Donc, cette demande de dérogation n'a pas été prise en compte. Et ce qui fait que pour appliquer l'arrêté qui a été publié par le préfet, ça exclut 80% des espaces qu'on envisageait d'irriguer. Je ne sais pas si vous avez retenu le chiffre tout à l'heure de 19 millions d'euros d'investissement. En gros, on devrait investir 19 millions d'euros pour n'irriguer que des cimetières et des sites sportifs fermés. Donc, l'investissement par rapport aux espaces irrigués est tellement énorme que ça met donc un deuxième coup d'arrêt au projet. Alors, je vous ai illustré ça dans des plans, je ne sais pas si c'est très visible.
Mais sur la première carte, vous voyez ce que nous prévoyons au démarrage du projet d'irrigué, à savoir tout le littoral nord, tous les axes structurants de la ville, le boulevard des Mascareignes, la Compagnie des Indes, la Commune de Paris, plus les espaces fermés. Donc, et la deuxième carte vous montre ce qui nous resterait à irriguer si on applique stricto sensu l'arrêté qui a été publié, à savoir le cimetière paysager et les sites sportifs fermés. Voilà, donc c'est un peu un coup dur et un peu des discussions qu'on a maintenant depuis plus de 2 ans avec les services de l'État pour essayer de trouver une porte de sortie. Donc je vous ai mis des petites diapos sur les expérimentations qui ont été menées. Donc les premières expérimentations en 93 et 96, 94 et 96 sur l'ITSAD, sur la station d'épuration, et qui ont été concluantes sur leurs résultats, mais pas sur leur mise en œuvre du fait de l'emprise foncière qui était nécessaire. Le pilote expérimental qui a été réalisé en 2013 avec Veolia sur la station d'épuration sur un process d'osmose inverse. Alors, je vais dire des choses qui vont se retourner contre moi, mais en gros, les résultats du pilote, c'est que déjà en sortie de station d'épuration avec le traitement membranaire et la désinfection UV, on a une qualité d'eau importante. Et du coup, le bénéfice de l'osmose inverse au regard de la qualité de l'eau en sortie de station d'épuration est relativement limité. Par contre, ça apporte des garanties sanitaires. Ça permet d'apporter une garantie sur le maintien de la qualité microbiologique de l'eau. Ça permet de produire une eau sans résidus médicamenteux quantifiables et pas d'enrichissement, on va dire, des sols en termes d'éléments traces métalliques. Et ensuite, vous avez l'expérimentation qui a été menée par le CIRAD. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est que cette expérimentation, elle avait pour but de montrer de prouver qu'on pouvait faire une dérogation par rapport à la présence d'éléments traces métalliques et en particulier du plomb dans le sol. Et je précise également que cette expérimentation, et comme toutes les autres expérimentations qui ont été menées, l'ont été en concertation avec les services de l'État. Et donc, à l'issue de cette expérimentation, donc qui a porté sur des prélèvements de plantes prélevées donc, sur la commune du Port, sur des prélèvements de sol où on savait qu'on avait une concentration relativement importante de plomb, et sur des expérimentations en laboratoire, que la mobilité du plomb était quand même limitée. Donc, tout ça pour dire que l'application stricto sensu de la réglementation ne tient pas compte de la sécurité apportée par le process envisagé par la ville. Donc, on a prouvé qu'il n'y avait pas de risque de sous-produits en réaction avec le chlore, pas de risque d'enrichissement des sols et de contamination des ressources souterraines, et quand même une grande maîtrise de la qualité microbiologique de l'eau produite qui est tout à fait comparable à l'eau potable du réseau. Malgré tout, notre demande de dérogation n'a pas été suivie d'effet. Et par ailleurs, sur l'aspect sécurité du process, j'ai envie de dire, on est comme tous les producteurs d'eau et comme tous les gestionnaires de stations d'épuration, on est soumis à l'autosurveillance, on est soumis à la surveillance sanitaire et on se doit de mettre en œuvre une surveillance en temps réel. Donc, toutes les garanties qu'on a apportées en termes de procédures d'exploitation dans le cadre de notre dossier de demande d'autorisation n'a pas permis d'aller vers cette dérogation. Donc, je voulais aussi préciser que dans le cadre des procédures d'exploitation, on avait proposé de mettre en place un suivi avec des médecins sanitaires, un réseau de médecins sentinelles, pour permettre, avant la mise en service de l'usine de réutilisation des eaux usées, d'avoir un bruit de fond, on va dire, sur les épidémies de gastro-entérite, donc avant la mise en service et pendant la mise en service de cette unité de réutilisation des eaux usées. Mais encore une fois, ce sont des éléments qui n'ont pas convaincu.
Aujourd'hui, on est un peu au point mort sur ce dossier de réutilisation des eaux usées, mais on essaye de rester optimiste. Il y a 30 ans, on était dans l'anticipation, mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus parler d'anticipation, on est plutôt dans la réaction, en tout cas, on est dans une urgence à agir. Mais les freins réglementaires, ils persistent. On a encore eu une réunion hier en sous-préfecture avec les services de l'État. On nous a rappelé qu'il n'y avait pas de possibilité de déroger la réglementation. On ne prévoit pas de déroger sur les distances de sécurité. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue, mais c'est vrai que malgré notre volonté de poursuivre cette démarche vertueuse, aujourd'hui, les évolutions réglementaires ne nous permettent pas d'aller concrètement sur une phase opérationnelle sur ce projet. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, Monsieur Villemain. C'est très bien, merci Madame Nassor, merci pour cet historique. C'est vrai que 30 ans quand même d'études, de démarches, et on espère justement que les freins réglementaires vont être levés pour pouvoir passer à une opération, à une phase opérationnelle, pardon. Prochain intervenant, ça sera EDF, donc au travers de Monsieur Emmanuel Aubourg, chef de service production et référent biodiversité, qui va intervenir sur toujours cette question de la gestion de l'eau en lien avec la production d'électricité. Monsieur Aubourg, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors en fait, c'est une question qui est assez difficile, donc j'ai essayé de la reformuler en disant à quelle question je voulais répondre. Est-ce que l'hydraulique, c'est une solution adaptée pour la lutte contre le réchauffement climatique? Et puis si oui, y a-t-il moyen d'augmenter cette part de production renouvelable versus la gestion de la ressource en eau? Et je vais essayer d'apporter des éléments spécifiques au cas particulier de La Réunion. Et en vous disant tout de suite, je ne vais pas répondre à la question, parce qu'il n'y a pas de réponse qui soit complètement définitive. Quelque part, vous voyez, la difficulté de parler de ce sujet, c'est parce que c'est un sujet qui est large. C'est comme si on parlait d'un moyen de déplacement, dont l'éventail, ça irait du vélo à l'hyperloop. Donc voilà, je vais essayer d'apporter des éléments. Dans le monde de l'hydraulique, il y a un spectre assez large d'ouvrages hydrauliques, c'est une centaine de kilowatts, ça tient dans une boîte à plusieurs centaines de mégawatts, donc c'est des énormes usines. Bon, il y a des types d'usines de type de lac où il y a des cycles de remplissage qui sont plutôt annuels. Si vous avez en tête, c'est typiquement les barrages de Tignes, de Roseland qu'on trouve en Savoie, en métropole. Les usines éclusées, où on fait plutôt du placement d'énergie avec des cycles qui sont hebdo ou journaliers. C'est on remplit des bassines et on les vide suivant ces cycles de remplissage. Les usines au fil de l'eau, c'est-à-dire c'est plutôt des usines qui produisent de la base d'énergie. Et je vais mettre de côté tout ce qui est station de transfert d'énergie, parce que c'est plutôt un fonctionnement type batterie, et tout ce qui est énergie des mers. En fait, à l'origine, l'hydroélectricité, c'est tirer parti de la force de l'eau. Donc c'est répondre à un besoin d'énergie. Et vous le savez, en fait, la force de l'eau, elle est utilisée depuis l'Antiquité. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une énergie qui est mature. Pour autant, à l'époque, la question de le réchauffement climatique, ce n'était pas une question qu'on se posait. La problématique de l'hydraulique, c'est d'abord de devoir s'adapter à la topographie du terrain, du relief et de la géologie. On ne met pas une installation hydroélectrique là où on veut et on la construit pas comme on souhaite. C'est la nature qui nous impose, en fait, un certain nombre de choses, donc le dimensionnement de ces ouvrages. C'est en fonction des apports naturels et des conditions hydrologiques. Donc, la ressource, elle doit être stable et prévisible. Et dernièrement, elle a été fortement révisée, effectivement, avec l'impact du réchauffement climatique. Il faut tenir compte aussi de la vie aquatique. Il faut tenir compte des multi-usagers et des parties prenantes. Il y a des usages qui sont vitaux, comme l'eau potable, l'irrigation. Et il y a d'autres usages. Donc, il faut, quand on construit une installation hydroélectrique, tenir compte de ces différents usages. Donc la combinaison de ces différentes données, ça va déterminer le type d'ouvrage, la mission et son fonctionnement. Forcément, tout ça, ça doit se faire avec un sens économique, c'est-à-dire qu'au final, on doit produire une énergie qui reste économiquement acceptable. Ces installations, elles sont forcément tributaires de l'environnement au sens large, et l'hydrologie, mais aussi la géologie et la topographie du terrain. L'impact du réchauffement climatique, c'est effectivement moins de ressources en eau, et des phénomènes qui sont extrêmes, c'est-à-dire beaucoup plus fréquents et de manière amplifiée. On va rencontrer beaucoup plus de phénomènes de sécheresse avec des périodes d'étiage qui sont beaucoup plus longues et suivies de périodes de sécheresse. Et puis des crues aussi, des crues qui ne sont pas forcément plus fréquentes, mais qui sont en amplitude plus importante.
Alors forcément, la production électrique, elle est à l'image de cette pluviométrie. Alors si je prends le cas de la Réunion, en 2018, on a eu une forte hydraulicité, donc on a produit beaucoup d'énergie. Enfin, pour une année normale, on avait produit plus de 25% d'énergie. Et puis les deux dernières années, 2019 et ce qui pointe sur 2020, avec une période plutôt identifiée sèche, bah, sur le bilan énergétique, on produit environ 20% de moins qu'une année normale. Alors je vais vous raconter aussi un peu l'histoire de la Réunion. Il y a un cas particulier dans les zones interconnectées. C'est-à-dire que les zones interconnectées d'un point de vue électrique, ce sont des zones qui sont fragiles, sensibles, et avec donc une énergie qui dans l'absolu est relativement coûteuse à produire. Et donc c'est ce que vous voyez dans votre facture, une taxe qui est la CSPE et qui permet d'activer des mécanismes de compensation qui incitent le développement de projets et qui permettent aussi, que ce soit sur le territoire réunionnais comme en métropole, d'avoir un tarif, on paye le même tarif d'électricité qu'on soit à La Réunion qu'en métropole. Alors l'histoire de La Réunion est un peu particulière, donc elle commence... industriellement dans les années 60, en fait la problématique de la production elle débute dans les années 30 et l'aventure elle commence en 1961 avec la création d'un ouvrage à Langevin, puis la création d'un ouvrage à Bras de la Plaine, Takamaka dans les années 30 et puis ensuite Rivière de l'Est. À la mise en service de Rivière de l'Est en 1979, l'île est autonome et consomme 100% d'énergie produite par des ouvrages hydroélectriques. Alors forcément, l'évolution de la démographie, l'évolution des supplémentaires des besoins sont plus couverts par ces énergies hydrauliques. Il faut trouver d'autres énergies comme les énergies thermiques. Et puis tout dernièrement, en 2007, par l'action politique de transition énergétique, il y a d'autres moyens comme de nouveaux ENR, comme le PV, un peu moins l'éolien sur l'île de la Réunion. Donc à un moment donné, on est sur des installations qui, en termes de ressources, sont stables et le complément se fait par ces énergies nouvelles. Donc la vocation d'origine, c'est bien de répondre à une demande d'énergie. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie renouvelable et hydroélectrique, c'est la plus mature. Elle répond forcément aux exigences de CO2 évitées. Alors, à titre d'exemple, je vous assomme pas de chiffres, mais on a essayé de parler de tonnes de CO2 évitées, et puis finalement, ça ne parle à personne. Donc, on a fait un petit calcul pour se dire si l'énergie hydroélectrique de la Réunion produite par nos centrales était réalisée par des moyens thermiques avec du fioul. En gros, ça sera l'équivalent de 7000 camions utilisés. Donc, aujourd'hui, c'est 7000 camions, des camions citernes de fioul qui sont évités chaque année, en moyenne, parce qu'il y a entre les années fastes et les années plus compliquées. Ce qui est important aussi, c'est de dire que cette énergie hydroélectrique, certes, elle produit l'énergie renouvelable, mais aussi elle permet en fait la pénétration des nouvelles énergies renouvelables, type le PV. Le problème du PV ou de l'éolien, c'est que c'est une énergie qui est intermittente, eh bien, elle ne produit que quand il y a une ressource, et il peut y avoir des rapides variations dans la journée de production liées à l'intermittence de ces ressources, que ce soit le solaire ou que ce soit le vent. Et c'est cette énergie hydraulique qui va permettre en fait, de compenser cette intermittence. Donc sans l'hydraulique, on ne pourrait pas avoir un réseau aussi fiable avec un taux de pénétration des ENR qui est aussi important. Et à La Réunion, cette proportion d'énergie fabriquée à partir de PV est relativement importante et bien supérieure à d'autres territoires. Alors ensuite, le problème, c'est le potentiel, et le potentiel qui soit accessible, environnemental parlant acceptable et économiquement parlant acceptable. La situation, en fait, elle peut aussi évoluer. Si on déplace les lignes et on change de paradigme, ce qui était possible, pas possible aujourd'hui, devient possible, et devient possible pour des bonnes raisons, alors que ce n'était pas possible d'ailleurs pour des bonnes raisons aussi. Alors j'aurais tendance à répondre oui, c'est une réponse qui est forcément positive à la question du changement climatique, mais cette solution elle a aussi ses limites.
Est-ce qu'il y a à La Réunion, il y a des possibilités de développement de projets? Alors aujourd'hui, sur des grands ensembles, je dirais que non, dans les conditions actuelles, parce que le potentiel qui est connu n'est pas accessible. Vous avez sûrement vu qu'il y avait un grand projet qui s'appelait Takamaka 3 qui a été abandonné, alors qui a été abandonné pour deux raisons. Déjà d'une, parce qu'on avait sous-estimé l'impact de la géologie, et du coup, ça rendait un projet qui était économiquement pas intéressant, avec un coût du kilowattheure qui était pas, qui avait plus de sens économique. Et d'autre part, parce qu'il y avait trop fort impact sur l'environnement, et donc ce projet avait été abandonné. Aujourd'hui, en fait, sur les ouvrages qui existent à La Réunion, les principaux qui sont Rivière de l'Est et Takamaka, on est plutôt sur des projets d'optimisation des installations existantes, c'est-à-dire comment améliorer le rendement pour qu'avec la même quantité d'eau, on arrive à produire plus d'énergie, ou inversement, pour produire la même énergie, il nous faut moins d'eau. Donc ça se fait à l'occasion d'opérations de maintenance. Aujourd'hui, à mon avis, on sous-exploite le potentiel de ce qui pourrait être produit sous forme de captage, de la circulation d'eau souterraine. Mais cela dit, ça nécessite des moyens qui sont assez importants en termes d'investissement pour aller faire des sondages, avec l'incertitude que ces sondages ils aboutissent à développer un projet. Et pour des petites unités, oui, il y a certainement des opportunités, mais pour générer des quantités d'énergie qui sont relativement faibles, mais pour autant qu'il ne faut pas négliger, parce que l'agglomération de ces énergies peut permettre d'améliorer en fait le niveau de production d'énergie renouvelable. Et ces petites unités, d'un point de vue économique, sont soutenues par le biais de tarifs de rachat. Donc effectivement, la politique, c'est plutôt de soutenir le développement de ces petites unités, c'est-à-dire des unités de l'ordre de 100 kW, qui ont du mal à trouver une rentabilité, avec une logique de foisonnement des moyens, une agrégation d'énergie fatale au fil de l'eau. Ces mécanismes, ces mécanismes de rachat, ils existent à La Réunion, ils existent en métropole, et la particularité de La Réunion, c'est aussi des mécanismes de compensation pour inciter le développement de projets qui à La Réunion ne se ferait pas compte tenu du coût élevé d'investissement de projets de production, que ce soit hydroélectrique d'ailleurs ou d'autres sources de production. Je ne sais pas s'il est possible de poser des questions, mais j'ai pas répondu vraiment à la question. Je vous ai livré quelques éléments de réflexion parce que c'est une question qui est relativement complexe, sur laquelle il est relativement complexe de trancher. Et aujourd'hui, il y a une réponse. Demain, cette réponse, elle peut être très, très bien remise en cause parce qu'on change en fait d'angle de vue. Très bien. Merci, Monsieur Aubourg, pour votre témoignage et surtout de nous avoir rappelé l'importance de l'eau dans la production d'énergie renouvelable de surcroît à La Réunion. Pour clôturer ce tour de table, je vais laisser la parole à Madame Daphné Warraud, responsable du développement pour Renéo, qui va nous en dire un peu plus sur les solutions en matière de gestion de l'eau pour accompagner la nécessaire transformation écologique. Madame Warraud, je vous laisse la parole et le partage d'écran. Très bien, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais plus orienter ma présentation sur... J'espère que ça va fonctionner. Voilà, hop, ça va mieux. Donc sur les solutions, en fait, par rapport aux présentations qui ont eu lieu déjà avant moi, il y a pas mal de solutions hein, qui ont été évoquées. Alors, c'est en train de charger pour l'instant, vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, c'est arrivé, je pense. C'est très bien, allez-y, je vous en prie. Et donc, voilà, donc je disais qu'à travers les différentes présentations qui ont eu lieu avant moi, il y a eu pas mal de solutions évoquées. Et ça montre bien qu'il y a des solutions qui existent et qui sont mises en œuvre déjà sur le territoire. Et c'est bien l'objet de mon intervention aujourd'hui, parce qu'il faut ancrer en fait des solutions au niveau territorial. Et donc notre but au sein de Veolia et de Neo, en fait, c'est bien de valoriser l'eau au travers des différentes applications qu'on peut en faire. Et donc, comme l'a pu évoquer les différents interlocuteurs avant moi, Madame Leroux, Monsieur Ballat, l'eau est un marqueur du changement climatique. Et donc, c'est important, en fait, de regarder comment on peut agir par rapport à ça. Il y a différents risques de pénurie auxquels on est confronté régulièrement. Et donc, il faut bien trouver des solutions ensemble pour pouvoir arriver à maintenir cette ressource, à préserver la ressource.
Et donc notre ambition par rapport à ça, eh bien, de rester notre posture est de rester humble. Hein, on n'est pas là pour pouvoir, on n'est pas des super-héros par rapport à ça. On gère l'eau, il est au cœur de nos métiers. Le but, c'est bien de trouver des projets de les moins, enfin pas des gros projets, mais de trouver des projets pas trop ambitieux, mais agiles pour bien s'ancrer sur le territoire, des solutions concrètes. Et ça a été dit à plusieurs reprises lors des interventions, il y a urgence à agir. Et donc, je vais vous montrer un peu ce qui a déjà été fait ailleurs. Donc, notre ambition est bien d'être le plus impactant possible. Hein. C'était l'intervention de ce qui a été dit avant, mais par une phase d'atténuation, par une phase d'adaptation, donc de résilience. On essaie de réajuster au mieux l'équilibre entre nos actions, les activités économiques, sociales et l'équilibre avec la nature. Et cela va passer donc, par différentes valorisations donc, de nos déchets, mais également l'utilisation des eaux usées traitées, comme a pu le dire Madame Nassor au cours de son intervention. Également d'autres dispositifs, hein, je vais vous parler d'énergie d'eau également pour vous montrer ce que c'est cette solution qui existe. Et également donc, tout ce qui est autour de l'eau, du compteur d'eau et du consommateur, parce qu'on l'a évoqué, Monsieur Abdallah l'a évoqué, on doit aussi permettre d'agir sur le comportement par rapport à la consommation et d'aller au plus près du terrain pour les sensibiliser. Et donc ça, c'est important aussi de commencer par là. Et donc la première solution que je vais vous expliquer ou vous montrer, mais elle est déjà en cours hein, sur le territoire, M. D'Ambrouville l'a très bien expliqué, le télérelevé en fait est présent et permet de suivre les évolutions, les économies de consommation au niveau des écoquartiers. Mais c'est vrai que nous, on a pu faire un premier constat sur notre territoire, nous, que nous gérons au niveau de l'UNEO. On a déjà plus de 4000 mètres cubes qui sont perdus. Et donc, ça, c'est vraiment un premier constat. Donc, en fait, ce qu'on voit bien, c'est que les petites fuites ont des gros impacts. Et donc, le système de télérelevé permet, en fait, d'avoir une alerte, d'alerter au plus près du terrain, d'être réactif vis-à-vis d'une perte en eau. Parce que le compteur va pouvoir être, c'est un compteur intelligent qui va permettre en fait de dire quand il y a une persistance d'écoulement et donc d'alerter et donc de pouvoir agir au plus vite. On a donc des projets qui sont déjà en cours, qui sont déjà déployés. Hein, Monsieur D'Ambrouville l'a signalé sur la commune de la Possession, donc sur les eaux de la Possession. La commune du Port également, l'ensemble des bâtiments communaux est équipé. La commune de Saint-Pierre aussi, et puis on a des références au niveau industriel, avec qui on travaille, hein, Sorelé travaille avec nous sur ce sujet-là aussi, et donc les industriels font toute leur part aussi. Et donc le but est bien d'aller au plus près du terrain pour savoir ce qui se passe sur les consommations, et alerter et agir, comme M. Abdallah le disait, sur l'éco-comportement vis-à-vis de la ressource. Au plus proche, en fait, plus on va informer sur la consommation, sur ce qui se passe chez eux et s'il y a une dérive, il y aura une réaction plus rapide sur ce sujet-là. Et pour en complément, en fait, hein, du système de télérelevé, et ça a été également précisé par Monsieur Abdallah et Madame Touré, donc distribuer sans perte. Et donc, effectivement, la recherche de fuite, là, on est sur un constat quand même en 2019, mais les autres années sont représentatives aussi de ce chiffre-là. On a plus de 5000 fuites qui ont été réparées par nos équipes. Et donc, du coup, il a fallu les détecter. Et donc, le système de télérelevé est un premier point, mais également, lorsque la fuite n'est pas visible, il faut aller la détecter, aller faire des recherches. Et là, pour cette activité-là, on a au sein du RUNEO une équipe d'experts de 15 personnes qui, sur tout matériau, avec différents matériels, technologies, vont mettre en œuvre en fait, cette recherche de fuite pour détecter au plus vite la fuite donc, et limiter la perte en eau et donc préserver la ressource. Mais pas que, on parle d'énergie avec EDF et donc forcément, si on doit, si la consommation est toujours au même niveau et qu'on a une perte en eau, et bien, il va falloir plus d'énergie pour produire, pour permettre la même consommation. Et donc, de réparer des fuites au plus vite, ça permet aussi d'économiser au niveau de l'énergie. Et donc, avec les différentes concessions qu'on peut avoir avec les collectivités, on est sur cette recherche de fuite active. Et on a aussi des collaborations avec les bailleurs sociaux pour la recherche de fuite en domaine privé. Parce que là aussi, c'est un domaine où on voit qu'il y a énormément de pertes en eau et donc il faut agir.
L'autre sujet qui n'est pas des moindres, c'est bien de valoriser les eaux usées traitées. Et Madame Nassor l'a indiqué, Madame Touré aussi l'a bien expliqué que ça existe ailleurs. Mais il faut faire attention, effectivement, par rapport à ces projets, parce qu'on est sur des projets de gros investissements. Hein. Madame Nassor l'a bien indiqué, 19 millions sur le projet qu'elle nous a présenté. Donc là, ce sont des projets à gros investissements, des projets complexes, et donc du coup qui présentent un modèle économique en fait complexe à mettre en œuvre. Donc, par rapport à toutes ces études qui ont déjà été mises en place, que ce soit ici sur le territoire ou que ce soit en métropole également avec les équipes de Veolia avec qui on travaille, toute la réalisation des retours d'expérience nous ont permis aussi de développer des nouvelles solutions qu'il faut regarder, hein, parce que ce sont des plus petites solutions et qui peuvent s'ancrer plus sur le territoire, donc de lutter contre bien sûr les effets de la sécheresse tout en préservant la ressource et de cibler, en fait, de faire des ciblages en parlant d'irrigation des espaces verts. Là, on est sur un exemple de projet qui a été mis en œuvre, ça s'appelle IRI Alto, dans le monde viticole. En fait, il y a eu une étude qui a été faite et ils ont été déployés d'irriguer, en fait, au pied des vignes avec un dispositif beaucoup plus petit, comme vous pouvez le voir en image, avec la Rio Box. En fait, c'est un conteneur avec l'ensemble des équipements à l'intérieur pour pouvoir traiter les eaux usées directement. Et donc, on est bien sur une logique d'économie circulaire et ce sont des systèmes qui commencent à émerger et des petits modules, en fait, hein, qui permettent de gérer entre 5 à 25 mètres cubes. Energizo, je vous en parlais, donc c'est un système qui permet également d'utiliser, en fait, hein, la ressource qu'on a disponible avec les eaux usées traitées ou les eaux usées directement au niveau des collecteurs. Et là, c'est un système d'échange de calories pour permettre, en fait, bah, selon le système, selon ce qu'on veut, de faire du chauffage pour les foyers, mais également du froid. Et donc, on a des exemples, hein, de mise en place de ces énergies d'eau pour des éco-quartiers ou pour des centres aquatiques. Et donc, qui permet, en fait, d'inscrire en fait, ces projets directement dans les plans climat de production d'énergie verte et locale, mais également en fait, de réconcilier l'économie et l'écologie en réduisant de plus de moitié les coûts d'exploitation et de près de 90% l'impact carbone de production de chaleur. Donc, ce sont des études, bien évidemment, à mener sur l'éco-quartier, l'environnement, où devraient être mis en place ces dispositifs. Mais voilà, ça existe et c'est déjà en œuvre. Je ne vais pas faire plus de focus que ça aujourd'hui parce que je pense que je prendrai beaucoup trop de temps sinon à vous expliquer l'ensemble des sujets. Mais nous avons prévu en fait sur le premier semestre 2021 de vous présenter et de vous apporter de l'information en fait sur l'ensemble des sujets que nous avons pu déployer sur d'autres secteurs et bien évidemment nous avons mis le climat au cœur de nos offres et donc nous pourrons vous inviter, nous vous inviterons prochainement à d'autres présentations beaucoup plus focalisées sur un sujet. Et donc je vous remercie de votre attention et donc travaillons tous ensemble pour y arriver. Merci. Merci Madame Moirot pour cette belle synthèse hein, des différentes actions que vous menez pour mieux préserver la ressource eau. Effectivement, c'est difficile de traiter toute la question en un seul webinaire, donc il y aura d'autres événements l'année prochaine, comme vous l'avez précisé. On a un petit peu dépassé le temps imparti à ce webinaire, mais on va quand même prendre quelques questions, quelques réponses qui sont arrivées sur le chat. Première question, donc c'est pour vous, Madame Moirot. Avez-vous un service de recherche de fuite pour les professionnels? Oui, tout à fait. Vous m'avez entendu ou pas? Oui, très bien, oui. Voilà, oui, tout à fait. Et du coup, je contacterai, je pense qu'on pourra contacter en direct Madame Mamotte, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. Anissa Mamot, c'est bien ça. Très bien. Merci pour votre réponse. Une petite question pour Monsieur Aubourg. Madame Leroux nous a indiqué tout à l'heure des prévisions qui allaient jusqu'à 50% d'eau en moins, de précipitations en moins, pardon, à Takamaka et sur la rivière de l'Est. Quel impact sur la stratégie énergétique du département? Monsieur Beau, vous êtes là?
Bon, je crois qu'il nous a quittés ou qu'il ne nous entend pas, donc on va passer à une autre question. Deux questions pour Madame Nassor. La première concerne l'osmose inverse. Bon, c'est une question-remarque. Osmose inverse, il n'y a plus rien dans l'eau. C'est une eau déminéralisée et sans bactériaux, c'est bien ça? C'est un peu comme les eaux qu'on utilise en laboratoire de chimie, mais il n'y a pas de. Enfin, c'est une contrainte qui peut être réglée avec un petit process de reminéralisation au niveau de la station. Et c'est pas aujourd'hui la contrainte, elle est ailleurs. C'est effectivement nous aussi, on s'est posé la question par rapport au fait d'alimenter des espaces verts avec de l'eau déminéralisée. Mais j'ai envie de vous dire, quand on aura réglé les problèmes de contraintes de distance de sécurité, il sera toujours temps d'adapter le process au niveau de l'usine pour rectifier le tir. Merci pour cette réponse. Une deuxième petite question qui concerne le plomb dans les sols. Connaît-on la source de cette contamination au plomb? Alors, on a commencé à travailler, enfin, on a travaillé avec le BRGM pour essayer de retrouver l'origine de cette eau, de ce plomb, pardon. Il semblerait que c'est une origine multiple. Alors, là, c'est un territoire très industriel, le port, pour ceux qui connaissent. Donc, il y a probablement une contribution importante du tissu industriel sur cet apport en plomb dans les sols. Il y a aussi eu par le passé des pratiques, on va dire, qui étaient moins rigoureuses qu'aujourd'hui. Sur le port, il y a eu à un moment du compostage ordures ménagères déchets verts. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est que les espaces verts sur la commune du port, ce sont essentiellement des espaces verts artificiels. Donc tout a été créé de toutes pièces sur un secteur aride. Donc il a fallu créer ces espaces verts, et effectivement à l'époque le compost qui était utilisé n'était pas aussi bien tracé qu'aujourd'hui, et les ordures ménagères qui étaient intégrées au compost n'étaient pas triées. Il devait probablement y avoir des choses qui ne devaient pas être présentes dans ce compost et qui n'a pas permis de préserver les sols. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une autre question, mais je n'arrive pas à lire sur mon téléphone une question concernant l'osmose inverse. Oui. Oui, je vais vous la lire. Donc, après osmose inverse, quels sont les paramètres problématiques qui ne seraient pas initialement présents dans l'eau brute? Il n'y en a pas. En fait, il est là le désespoir de cette situation. C'est que tous les paramètres qui ont été testés, tous les résultats d'analyse sont complètement concluants. Donc aujourd'hui, la difficulté est uniquement d'ordre réglementaire, dans le sens où la réglementation ne permet pas de déroger aux distances de sécurité, quelle que soit l'origine de l'eau et quel que soit le process. C'est-à-dire que quand bien même on aurait un process baguette magique, ça ne rentre pas en compte dans l'instruction du dossier. La réglementation prévoit des distances de sécurité. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que l'osmose inverse, en termes de plus-value par rapport à l'eau qui sort déjà de la station d'épuration, est relativement limitée. Mais on l'a fait pour montrer patte blanche. Et ça n'a pas aidé à aller dans notre sens à nous, dans le sens où clairement, il n'y a pas dans la réglementation de possibilité de déroger aux distances de sécurité. Donc, c'est même pas une question de ce qui reste après l'osmose inverse, puisque de toute façon, il ne reste plus rien après l'osmose inverse. Ça rejoint un peu la première question qui était posée, à savoir, on est sur de l'eau déminéralisée qu'il faudrait même reminéraliser avant l'irrigation des espaces verts. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très bien, merci. Merci, Madame Nassor. J'en profite, hein, comme vous nous parlez de réglementation, je pense que cette question est aussi en lien. Quid de la récupération des eaux de toit pour alimenter des réservoirs locaux, pour réutilisation de cette eau dans les toilettes, etc., etc. Est-ce que vous auriez quelques éléments de réponse sur cette question d'un point de vue certainement réglementaire? Madame Nassor, je vous ai perdu. Non, un autre expert.
Je ne pourrais pas vous apporter de réponse sur cet aspect. Après, pour en avoir un peu parlé avec les collègues du patrimoine bâti, ça demande quand même des adaptations dans les réseaux. Donc, c'est pas forcément mon secteur. Je pense qu'il vaut mieux que quelqu'un, je ne sais pas s'il y a l'ARS ou la DEAL, pour répondre sur l'aspect réglementaire de la réutilisation des eaux de pluie. Alors juste pour, après je laisserai effectivement d'autres personnes répondre à la question, effectivement, hein, Madame Nassor l'a dit, hein, c'est la problématique d'interconnexion entre les différents réseaux qui est une problématique avant tout sanitaire, hein, par rapport à remettre de l'eau dans les toilettes en soi, il n'y a pas de souci, mais il faut avoir en fait un double réseau avec des disconnecteurs bien identifiés pour pouvoir identifier le réseau d'eau potable et le réseau qui ne serait pas du coup potable pour l'alimentation des sanitaires. Après, j'ai pas d'évaluation là de coût par rapport à ça, mais voilà, il y a déjà une vigilance en fait de réhabilitation de l'ensemble du réseau pour alimenter spécifiquement en fait ces zones-là dans le bâtiment. En complément de ce qui a été dit, effectivement, la récupération de pluie pour des usages domestiques. Ça se fait aujourd'hui, effectivement. Il y a bien un cadrage réglementaire en termes de santé publique. Et donc, les éléments qui ont été mis en partage, effectivement, ce sont bien ceux-là. Et il y a également un volet toujours réglementaire de déclaration, donc à l'administration, hein, de ce qui est fait par rapport à certains usages de domestiques, même pour certains encore, hein, soumis à certaines expérimentations par rapport à de type lavage du sol ou des choses comme ça. Mais effectivement, l'ARS serait peut-être plus adéquate pour apporter des compléments sur le sujet. Merci pour ces éléments de réponse. Alors, d'autres questions. Comme exposé pour le port, quelle est la répartition de l'usage de l'eau à l'échelle régionale? Est-ce que quelqu'un aurait des données sur l'utilisation de l'eau, hein, dans les différents secteurs de l'économie. Alors, sur la Réunion, je l'ai dit tout à l'heure, nous prélevons à peu près 200 à 200 millions de mètres cubes dans le milieu naturel chaque année pour nos besoins. 145 millions de mètres cubes sont orientés vers les usages domestiques, donc pour nos besoins d'eau potable et assimilés. À peu près entre fonction des années 60 à 80 millions de mètres cubes pour l'irrigation agricole et une dizaine de millions de mètres cubes pour les process industriels. Donc je n'ai pas cité, j'ai mis c'est hors hydroélectricité. Donc voilà. Merci Monsieur Badat. Alors une petite question aussi sur la désalinisation de l'eau de mer. Quid, est-ce qu'il y a des projets dans ce sens? Est-ce que c'est intéressant d'un point de vue environnemental, économique, etc. Est-ce que quelqu'un peut nous répondre à cette question, s'il vous plaît? Allez-y. Je voulais apporter un petit complément à la question. Et aussi, s'il y a des solutions par rapport, c'était justement votre exposé, M. Badat, sur au niveau des forages. Le fait, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer le biseau salé, le fait que l'eau de mer risque d'être de plus en plus présente. Alors, par rapport à l'aspect dessalement de l'eau de mer à vocation au domestique, technologiquement, mais j'ai suffisamment d'experts autour de cette table virtuelle, donc c'est possible. Après, il y a un vrai coût énergétique et un vrai coût économique. Et aujourd'hui, dans le contexte de la Réunion, par rapport à l'accès, à la disponibilité de la ressource en eau brute, ce sont peut-être des opérations qui ne sont pas forcément très rentables. Alors, environnementalement, telle que la technologie existe aujourd'hui, pas du tout, et cela a un coût. Les îles voisines, donc, que ce soit l'île Maurice et Rodrigue, aujourd'hui, disposent donc et Mayotte même, hein, si on va un petit peu plus loin, et Mayotte dispose d'unités de dessalement d'eau de mer à des fins de potable, parce que il y a un peu plus de contraintes en termes d'accès à l'eau brute. Donc voilà, donc c'est toujours apprécier l'équilibre entre la capacité d'avoir de l'eau brute, donc, et en fonction des situations de territoire.
Et ça me permet de rebondir donc sur l'eau souterraine. Et c'est toujours ça, cette difficulté, c'est-à-dire il faut trouver le bon équilibre entre l'eau souterraine, où on faudra mettre des équipements de forage, ça aura un coût énergétique, et l'accès à l'eau superficielle, donc les captages en rivière, où c'est beaucoup plus simple. Alors, comment la gestion d'une eau souterraine? Oui, il y a le risque, la majeure partie de nos forages sont en bordure littorale, et donc il y a cette proximité de la mer. Dès que c'est la gestion, toujours, l'eau de pluie qui vient d'un côté, les prélèvements donc de l'autre, et c'est arriver toujours à cet équilibre de ne pas prélever plus que ce que nous pouvons amener en recharge. Donc voilà. Donc il y a toujours. Alors mettre en place des outils de surveillance, donc cela a été évoqué par rapport au seuil de conductivité. Il faut surveiller. Mais c'est toujours avoir cet équilibre entre capacité à prélever par rapport à la recharge. Et c'est vrai qu'en fonction de certains mois, en fonction des localisations, parce que tous les forage ne fonctionne pas pareil. Le transfert de l'eau souterraine n'est pas identique partout sur le territoire parce que le sol n'est pas homogène non plus. Et donc, il est très important d'avoir un œil particulier sur cette gestion dynamique de la ressource. Je poursuis sur un point qui a été volé. Donc, on a vu de très bons expos sur des solutions qui sont mises en œuvre aujourd'hui pour s'adapter aux effets du changement climatique. Il y a un volet qui est passé peut-être un petit peu sous silence, donc qui concerne la performance des réseaux, donc Farouk Abdallah a évoqué sur l'amélioration de rendement, ou Ironeo également, sur les recherches de fuite. Il y a ce volet sécurisation entre l'eau superficielle et l'eau souterraine, ça c'est vrai, mais également sécurisation interconnexion entre territoires. Et aujourd'hui, le plus bel outil que nous avons sur le territoire en termes d'interconnexion de l'eau, c'est les ouvrages structurants du département qui permettent d'amener de l'eau à des endroits où il y en a peut-être moins, où elle est un peu moins disponible en fonction des secteurs de l'année, et de satisfaire ainsi certains besoins. Donc, les interconnexions peuvent se réfléchir intra-territoire, donc à l'échelle. Aujourd'hui, ce sont les EPCI qui sont autorités de gestion, donc il y a déjà cette réflexion. Et aujourd'hui, le département poursuit sa réflexion bras de la plaine, bras de Sillaos et l'irrigation du littoral ouest avec le projet MEREN, où on va venir également apporter des solutions pour les besoins en eau domestique sur les régions nord et est. Merci, Monsieur Badel, pour ces éléments. On va prendre 2-3 questions. On va essayer de s'arrêter vers 11h pour ne pas trop déborder sur le temps qui était imparti. Une petite question, justement, sur les alternatives. Donc, comment est-ce qu'on peut développer les microturbines sur les ouvrages de gestion de l'eau? Qui a des éléments de réponse sur cette question? Développement des microturbines sur les ouvrages de gestion de l'eau. S'il n'y a pas d'intervention, c'est... Non, oui. Je crois que le département a donc s'est orienté vers mettre en place des microturbines sur les réseaux structurants. Donc en gros, c'est pour casser la pression, plutôt de mettre des réducteurs de pression, on met des microturbines. Voilà. Voilà. Autre question, ne peut-on pas alors changer le système d'irrigation, par exemple avec du goutte à goutte? Peut-être Monsieur Dambreville, si vous êtes encore là. Oui, je suis encore là. Vous avez parlé de végétalisation de la commune. Est-ce que vous avez modifié aussi le système d'irrigation pour l'optimiser? Écoutez, on déploie à la fois du goutte à goutte et de l'aspersion selon la forme des parterres et selon les végétaux. Ce qui est important aussi, c'est qu'après, il y a un travail d'expert qui est réalisé, c'est-à-dire qu'on a envoyé en formation plusieurs personnes référentes du service cadre de vie en environnement pour qu'ils se forment sur la temporisation des besoins en eau des plantes, sur le mode d'irrigation, les différents types d'irrigation,
et pour atteindre un bon résultat. Mais voilà, sur le terrain, c'est ajusté effectivement entre du goutte à goutte et de l'aspersion, ce qui est le plus judicieux. Mais si je peux répondre, Monsieur Villemain. Oui, bien sûr. Cette question du goutte à goutte revient régulièrement sur la table. Et ce qu'on a apporté comme réponse, c'est que le goutte à goutte n'est pas adapté sur des grands espaces engazonnés. Donc ça, c'est la première réponse. Mmh. Et la deuxième réponse, c'est comme j'expliquais dans ma diapositive, ce travail de création d'espaces verts et d'accompagnement de voies, il a 30 ans aujourd'hui. Donc si on doit enlever l'aspersion, ça veut dire mettre à mal 30 ans d'investissement, parce que c'est un investissement, ça a aujourd'hui une valeur, ces espaces verts. Ça veut dire que tous nos espaces verts, nos 45 mètres carrés d'espaces verts par habitant, on détruit tout au tractopelle, mmh. on décaisse, on pose du goutte à goutte et on revient traiter, comment créer 30 ans d'espaces verts. Donc c'est en termes de coût d'investissement, c'est plus 19 millions d'euros. C'est des coûts qui sont exorbitants parce que ça veut dire qu'on détruit 30 ans d'espace vert créé sur la commune du port. Donc cette question du goutte à goutte qui revient régulièrement, moi j'ai envie de dire non, ça n'est absolument pas adapté. On est en train de planter des tomates, on est en train d'irriguer des espaces verts engazonnés. Non mais je le dis, ça fait beaucoup rire Monsieur Badat, mais je le dis parce qu'on nous pose régulièrement la question. Après sur du neuf, peut-être que... Peut-être que sur des petits parterres comme ce que fait la possession sur le cœur de ville, oui, peut-être. Mais dans notre situation à nous, on est sur de l'accompagnement de voies et sur le littoral nord, par exemple, sur de grands espaces engazonnés, le goutte à goutte n'est absolument pas adapté. Et encore une fois, ça voudrait dire détruire et reprendre à zéro ce qu'on a fait pendant 30 ans. Merci pour cette réponse. Pour terminer ce webinaire, je vais juste poser une petite question à Madame Leroux, qui nous a fait un bel état de la situation météo sur le territoire. Tiennent-elles compte des différents plans, des différentes dispositions environnementales, réglementaires, nationales, européennes, internationales, notamment en lien avec la diminution des gaz à effet de serre? Et selon vous, est-il encore possible de renverser, entre guillemets, la tendance de cette augmentation de température si on arrive à être un peu plus efficient, un peu plus respectueux de l'environnement? Alors, pour répondre à la première partie de la question, effectivement, c'est en ce sens que le nouvel exercice du GIEC parle de « Shared Socio-Economic Pathways » et non plus de « RCP ». C'est-à-dire que le premier chiffre dans les SSP, justement, va de 1 à 5 et intègre les politiques d'adaptation. Donc on ne peut pas avoir un scénario, par exemple 2.6, qui est associé à un 5 devant. Parce que le 5, c'est on ne fait rien, business as usual. Donc c'est forcément type 8.5, mais ça peut être aussi type 6.0. Voilà. Donc ça répond à votre interrogation. Le GIEC a justement créé ces shared socio-economic pathways pour intégrer l'aspect on fait quelque chose, voilà, économique. Rappelez-moi la deuxième partie. Oui, alors on a vu quand même dans mon exposé, j'ai montré un moment sur l'évolution de la température sur le bassin, qu'il était toujours possible de changer la donne si on s'alignait dès aujourd'hui, sur le scénario optimiste 126, SSP 126. On aurait une réduction on aurait une augmentation de 1 à 1,5 à l'horizon de fin du siècle sur notre bassin en moyenne, donc sur les continents un peu supérieurs, toujours 3 degrés, et sur la mer peut-être 1 degré. Mais en fait, il y a un rapport qui a été commandé, un rapport spécial, au GIEC lors de la COP21 à Paris en décembre 2015. Ce rapport avait pour but de savoir s'il était possible et quels étaient les défis à relever pour tenter de limiter le réchauffement planétaire en deçà de 2 degrés et si possible de le limiter à 1,5. Donc c'est le rapport spécial 1,5. Il a été publié en 2018. Et pour cela, il faudrait avoir une réduction des gaz à effet de serre telle que à l'horizon 2040, on ait des émissions nulles. Donc quelque part qu'on compense avec des techniques de bioénergie de sorte que les émissions s'annulent avec les compensations. Les scénarios qui sont compatibles avec un réchauffement à 1,5 degré, ça impose de réduire les émissions nettes à zéro en milieu de siècle.
Voilà, donc on pourrait inventer la bioénergie. Enfin, c'est pas qu'on pourrait inventer, c'est qu'ils sont en train de se pencher sur la bioénergie avec capture et séquestration de carbone. Mais bien sûr, ça reste modulé par l'ampleur des réductions des émissions de gaz à court terme. Parce qu'il y a à peu près, suivant les gaz à effet de serre, il y a une durée de vie plus ou moins longue dans l'atmosphère. Donc les gaz qui ont été émis il y a 20 ans ou aujourd'hui, qui sont émis aujourd'hui par exemple, auront un impact encore, seront présents dans l'atmosphère durant 20 à 30 ans encore. Donc on ne pourra pas, même si on réduit drastiquement là aujourd'hui, c'est pas pour ça que la température va commencer à cesser d'augmenter. En fait, on voit l'impact de nos émissions actuelles sur les 20 à 30 prochaines années, avant qu'il puisse y avoir un assouplissement et qu'on arrête cette tendance exponentielle, on va dire. Mmh. Voilà. Merci Madame Leroux. Alors il me reste à vous remercier hein, à tous, différents participants, différents témoins à ce webinaire pour vos interventions, pour votre présence. On partagera la vidéo, le replay hein, de ce webinaire très très rapidement. Et pour conclure, je laisse quelques mots de la fin à Renéo. Donc Madame Moirot, si vous voulez dire quelques mots pour conclure. Merci à tout le monde et à très vite. Hein. Eh bien, tout d'abord, je remercie l'ensemble des participants et l'ensemble des personnes autour de la table ronde. Je pense que les échanges ont été très riches et très intéressants parce qu'on voit bien que sur le territoire de La Réunion, il y a déjà énormément de choses qui sont faites, qui sont bien ancrées dans le territoire. Effectivement, il y a des sujets aussi qui sont compliqués à mettre en œuvre localement, mais je pense que tous ensemble, on peut arriver à faire quelque chose et puis voilà, moi je reste à votre disposition, Rémi est à votre disposition pour aller plus loin sur certaines choses que vous avez vues pour des interventions comme Madame Mamode le demandait. Et donc merci encore et puis je vous invite au prochain webinaire qui se déroulera sur début 2021. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous et à très vite. Hein, bonne fête de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine pour les suites des...